Madame, messieurs, bonsoir. Il est 22h passées de 20 minutes à Paris. Bienvenue dans ce petit live. Je vous l'avais annoncé déjà au cours de cette journée que je reviendrai sur les conclusions du juge d'instruction, monsieur le magistrat militaire Nzier Pierrot, sur l'affaire dite Martinez-Zogo. Aujourd'hui, madame, messieurs, nous allons donc décrypter, analyser, passer au peigne fin les conclusions de l'enquêteur qu'on appelle le juge d'instruction militaire sur l'affaire Martinez-Zogo. Nous avons vu ce matin un document circuler sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, nous en sommes emparés et nous donnons notre point de vue parce que désormais, au Cameroun, tout est dans la rue, tout est sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui est sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas demander à Junior Zogo de ne pas en parler. Je ne leur ai pas demandé de mettre le document sur les réseaux sociaux. Ils ne me l'ont pas remis, in tuite persona. Je l'ai reçu comme tout le monde et puis il me paraît tout à fait loisible et de bon ton que je commente amplement et largement les conclusions de notre très honorable juge militaire, à savoir j'ai nommé le juge d'instruction Nzier Pierrot. Je vous apporterai donc, madame, messieurs, une lecture purement juridique et politique, et nous allons faire, n'est-ce pas, une petite occurrence, ce qu'on appelle des digressions, en français soutenu, des digressions pour les nuls, c'est des divers, le Congossa, sur des non-dits. Vous savez qu'il y a le verbal et le non-verbal, il y a l'implicite et l'explicite, il y a le dit et le non-dit. Sur ce, nous sommes donc un samedi, nous avons vaqué à nos activités, les uns et les autres sont en train de faire la fête, de s'écler, de danser. Alors, nous aussi, alors que tu fêtes quelque part, tu bois du ruinard, du Dom Pérignon et que sais-je encore, consacre-nous une heure de temps pour qu'on parle du Cameroun et de l'affaire de l'heure. Madame, monsieur, donc, bienvenue à ce direct. Toi qui me suis depuis Kalaninkoul où il est 22h passées de 22 minutes, toutes les populations du Kalaninkoul sont plongées dans un noir absolu. Il n'y a pas d'électricité dans mon village natal de Kalaninkoul, sauf pour des privilégiés qui ont des groupes électrogènes. C'est un environnement qui est propice à ce qu'on appelle des activités nocturnes de sorcellerie. Alors, ne demandez pas aux populations de mon village natal de Kalaninkoul de ne pas être des sorciers, parce que véritablement, il n'y a pas de lumière à Kalaninkoul à l'heure où je vous parle. Donc, mon père, M. Zogo Ambogo, est probablement entre les mains du dieu du sommeil, M. Morphée, et il dort. Je salue par ailleurs mes oncles du côté des Bebda. Je salue ma belle famille du côté d'Ibiwombane. Je salue toute ma famille du côté de Yaoundé. Bien évidemment, je salue mes nombreux followers à travers le monde. Je vais saluer particulièrement tous ceux qui me suivent depuis le Cameroun, dans le nord, dans le sud, à l'est et à l'ouest. Je salue comme ça tous ceux qui me suivent en Afrique, n'est-ce pas? Depuis le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Angola, la Namibie, la Côte d'Ivoire, le Gabon, et que sais-je encore? Je salue tout simplement mes nombreux followers du côté des Amériques, notamment au niveau des USA, ce qu'on appelle United States of America, et du côté du Canada. Je vous salue, vous qui me suivez, mesdames et messieurs, du côté de l'Océanie, de l'Antarctique, de l'Asie, et même vous qui me suivez depuis le paradis et même en enfer, même ceux qui me suivent depuis l'espace, qui ont des satellites, merci à vous. Je salue particulièrement ceux qui me suivent depuis Mvomeka. Je salue ceux qui me suivent depuis Nkoumadjap. Je salue ceux qui me suivent depuis Kondengi. À Kondengi, où se trouve désormais une bonne partie de l'establishment du Cameroun, je salue comme ça l'ancien ministre Marafa, mon oncle Urbain Olangna à Wanon. Je salue mesdames et messieurs Polycarp Arbaaba. Je salue Jean-Pierre Amougoubelinga et désormais Bruno Bidjan qui l'a rejoint là-bas. Je salue même d'ailleurs mon ancien bourreau. Je te salue, monsieur Edgar Alem Bongo et ton épouse. Salut à vous. Il ne faut pas souhaiter la prison à quelqu'un. Je salue un de mes anciens bourreaux, Jean-Marie Atangnamabara. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais donc vous prier de vous installer confortablement pour une heure de direct. Une heure de direct à bâton rompu
où nous allons décrypter, analyser, passer au peigne fin. Bonsoir à vous tous. La dernière actualité, nous nous sommes fixés pour Violent d'Ingres. Nous nous sommes fixés pour objectif, autant pour moi, de commenter l'actualité. Nous sommes des lanceurs d'alerte politique. Vous savez, le moi étant Aïssa, j'utilise le nous de majesté. Nous sommes des lanceurs d'alerte politique. Et moi, mon domaine de définition, c'est la politique. Je ne fais pas autre chose. Je suis là pour me battre pour un mieux-être des Camerounais, pour l'épanouissement des Camerounais. Et chaque fois que j'estime qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, je m'inscris en faux. Alors, je vais donc, en attendant que le direct n'atteigne toutes ses cibles, je vais vous prier de faire un petit geste, de le partager, parce que moi, je ne vous demande pas des étoiles. Tout ce que je vous demande, c'est de partager le direct. Partagez le direct. Partagez. Dès que nous aurons atteint un seuil minimum sans lequel je ne peux parler, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, ne viens pas regarder Junior Zogo à travers la fenêtre. Il faut me regarder directement. Je salue comme ça Mishcom Evans qui vient de faire un direct retentissant avec un invité réduisant. Oui, je vais inviter M. Palmer, s'il le veut bien, il a fait beaucoup de révélations. Je salue donc Mishcom Evans qui vient de donner la parole à un compatriote, le grand journaliste et très talentueux Morgan Palmer. Vous m'excuserez. Morgan Palmer qui vient de nous faire des révélations à couper le souffle. C'était effroyable. Je pense que je vais prendre son numéro chez Mishcom Evans. Nous allons reprendre, n'est-ce pas, cette émission probablement le week-end prochain, le dimanche d'après, je ferai tout pour avoir Eronie Morgan Palmer, ce grand journaliste à la voix très suave, très intelligent, très éloquent, qui vient de confirmer encore une fois de plus ce que nous pensons du Cameroun et de la bande et de la clique à Ferdinand Ngongo. Alors, mesdames et messieurs, partageons le direct et je sais que la plupart de ceux des services de renseignement du Cameroun sont là, tapis dans l'ombre pour écrire et remonter des informations. Prenez vos bics, prenez vos stylos et vos feuilles et notez. Nous sommes des enfants de la République. Le Cameroun n'est la propriété de personne. Le Cameroun appartient à tous ses enfants. Oh là là, Jean-Baptiste Mbolo, merci pour les étoiles. D'entrée de jeu, tu annonces la couleur. Le Cameroun appartient donc à tous ses enfants et personne ne nous interdira de parler du Cameroun. Et nous autres, nous n'avons plus peur de rien. Comme je le disais, Nelson Mandela l'a repris. Pour parodier Nelson Mandela, le courage n'est point l'absence de peur, mais c'est la capacité à vaincre sa peur. Alors, toi qui dis, j'ai peur, je veux voir mes enfants grandir. D'autres, comme toi le disais, la mort les a trouvés chez eux. La mort les a trouvés chez eux. Lorsque des gens sont animés par un esprit morbide et satanique, il n'épargne personne, parce que ce qui caractérise ces gens, ce cercle infernal, c'est la soif, la boulimie du pouvoir. Ils sont prêts à verser le sang, même des innocents. Je vais vous prendre le cas du Christ, Jésus-Christ. Il a été crucifié, pendu sur la croix, il n'a rien fait. Alors toi qui te caches, tu dis, moi je veux voir mes enfants grandir, je veux vivre. Cache-toi, attends de voir tes enfants grandir, mais un jour, ça va te retrouver parce que le diable n'a pas d'amis. La clique à Ferdinand Ngongo que je cite ici nommément, parce que moi je ne m'en cache pas, je n'ai rien après lui, mais j'en ai après ses agissements. J'en ai après la confiscation de la République, du pays, par Ferdinand Ngongo. Alors aujourd'hui, madame, messieurs, avant de décrypter donc les dernières conclusions du juge d'instruction, monsieur Nzié Pierrot, ne me dites pas que ce sont des fakes, je ne le pense pas, ça nous a trouvés sur Facebook. Si vous voulez protéger ses sources, un document aussi confidentiel, il n'avait qu'à ne pas le diffuser sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui est sur les réseaux sociaux, nous nous le prenons, nous le décortiquons, nous le décryptons, nous le passons au peigne fin afin d'éclairer les lanternes de ceux qui nous font confiance. Alors, je vais m'adresser ici d'abord à une certaine frange, aux catégories de Camerounais, qui viennent tout le temps me dire, tu veux nous manipuler, commissaire Zogo. Alors, moi, je ne sais pas. Je vous manipule. Je ne suis détenteur d'aucun mandat électif. Je ne gère absolument rien au Cameroun.
Je ne gère rien au Cameroun. Ceux qui vous manipulent, ils sont là. Ceux qui vous manipulent, ce sont ceux qui vous privent du courant, de l'électricité, de l'eau, de la santé, des routes. Vous ne leur parlez pas. J'ai dit un aujourd'hui. Dès que je publie une tribune, un poste, ils se montrent très véhément et virulents à mon égard. Alors, mais celui-là ne va jamais s'adresser aux autorités du Cameroun qui les privent d'électricité, de l'eau potable, des soins de santé, de la nourriture, des logements, des routes, de l'instruction, de tout, et qui les maintiennent dans une misère abjecte. Ils vont jamais parler d'eux. Cela me rappelle aussi un poste fait par une de mes sœurs, Céline Menge. Céline Menge a fait un poste où elle disait « J'étais au Cameroun, j'ai vu une misère abjecte. » Et ce qui intéresse la plupart des Camerounais, c'est de vouloir escroquer leurs frères. Au Cameroun, disait Céline Menge, il n'y a ni eau, ni électricité, ni route, ni rien. C'est la misère la plus totale. Mais il faut entendre les Camerounais parler, il a dit les continentaux, se bomber le torse sur TikTok, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, se faisant passer pour des gens gargantuesques et costauds, alors qu'ils sont incapables. Ils sont incapables carrément de dire ça suffit. Ils sont incapables de dire à Ferdinand Gongo que personne ne t'a confié les rênes du pays. Arrête de privatiser l'État à des fins purement personnelles. Alors, ils vont s'adresser à Junior Zogo. C'est pas moi qui prive les Camerounais de l'eau potable. C'est pas moi qui prive les Camerounais de l'électricité. C'est pas moi qui prive les Camerounais des soins de santé élémentaires et primaires. C'est pas moi qui maintient les Camerounais dans la misère et la famine. C'est pas moi, n'est-ce pas, qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de logements sociaux, de routes, d'écoles, de la sécurité sociale. Alors, je vais chuter par ce que j'appelle ici les adeptes du syndrome de Stockholm. Vous allez voir un professeur qui enseigne dans un village. Il est sorti depuis 20 ans. Il n'a ni électricité ni rien. Il est surveillant général. Il va te dire, le commissaire Junior Zogo n'est pas fréquentable. Comment je vais fréquenter quelqu'un qui est surveillant dans un lycée de Mbassila, qui n'a ni électricité ni eau? Il n'est même pas arrimé au monde moderne. Son salaire qui est de 150 000, 200 000, à la limite, toute modestie gardée, c'est mon argent de carburant. Et au final, cet enseignant, moi je me bats pour les droits des enseignants, pour estimer qu'ils ont des salaires de catéchistes, il ne peut même pas me dire merci. Donc, nous n'allons pas nous empêcher de revendiquer au nom du peuple, de dénoncer. Alors, madame, messieurs, une fois que je l'ai dit, je vais également m'adresser à mes frères Eton. Et ça me permet de rentrer dans le sujet. La dernière fois, je me suis adressé au peuple camerounais pour présenter mes excuses au peuple camerounais parce que nous avons échoué. Le peuple camerounais comptait sur nous pour le libérer de cet esclavage dans lequel on l'a contraint depuis des années. Nous avons échoué, j'ai demandé pardon au peuple camerounais. J'ai fait un autre direct pour m'adresser au Nanga, au Boulou. Et j'ai fait un autre direct pour m'adresser au Béti et au Bamileke. Aujourd'hui, je fais ce direct pour m'adresser aux Camerounais et particulièrement aux Etones. Mes frères Etones, je vous dis quelque chose. Je sais qu'il y a une proximité entre les Nanga et les Etones du côté de Bachenga. Alors, le jour auquel vous vous livrez avec M. Ferdinand Ngongo, le Nangé Bokongongo, on m'a dit que l'entourage de Ferdinand Ngongo, que ce soit les sécurocrates ou les fonctionnaires, son premier cercle est constitué des Etones. Les Etones qui se plaignent d'être, n'est-ce pas, les parents pauvres du renouveau. Les Etones qui ont perdu Martinez Zogo. Les Etones qui n'ont rien. Lorsque tu vas dans la Lekki, il n'y a ni route, ni rien. On te dit non, les besoins du Cameroun en énergie s'élèvent à plus de 1500 mégawatts. À 1500 mégawatts, et les différents barrages hydroélectriques qu'on construit n'arrivent pas à satisfaire les besoins du Cameroun parce qu'il y a ce qu'on appelle les étiages, notamment le barrage de Memvélé. Les étiages, c'est quoi? Il n'y a pas assez d'eau hydraulique pour alimenter les barrages. Voilà la raison qu'ils donnent. Alors, je vais m'adresser donc à mes frères Etones. Les Etones se sont plaints ici que nous n'avons rien. Les Boulous dirigent le Cameroun. Les Etones sont un peuple brave. Les Etones
C'est un peuple digne. Quand on parle des Étones Laleke, on parle des Étones de Mangissa et de Sanaga. Alors, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, l'élite Étone, les sécurocrates deviennent les valets, les chindas, les lèche-bottes d'un homme, Ferdinand Ngongo, qui a décidé de privatiser l'État du Cameroun à des fins pouvoiristes. Je vais citer les noms de ces Étones. Lorsque on parle de Ngongo, on va te dire c'est Galatse Toga, un Étone de Bachenga. Galatse Toga, un Étone de Bachenga. Qui fait le sale boulot pour Ferdinand Ngongo? Galatse Toga. On m'a dit que tu as une femme boulot qui te commande. Je ne me mêle pas de ça. Que tu n'arrives même pas à parler chez toi. Comment un Étone peut se mettre au service du mal d'un homme comme Ferdinand Ngongo, qui fait le mal partout? Et je vais vous démontrer des choses sur l'affaire Martinez Zorro. Parce que vous parlez beaucoup. Je vais m'adresser ici au général Nka Valère. Mon général, tu es de ça. Un Menyara, un Étone de ça. Mon général Nka Valère. Comment tu peux t'assujettir à Ferdinand Ngongo? Tu es général de la République ou général de Ngongo? On m'a dit, t'as baissé la culotte devant Ferdinand Ngongo, qui a promis de faire de toi le chef d'état-major des armées une fois qu'il sera au pouvoir. Nyamoro, je te connais quand tu étais à la GP. Tu es allé au Nozo. Tu as fait n'importe quoi. Tu as couvert Ngongo. Est-ce que tu n'as pas honte, mon général? Tu sais que je te connais particulièrement, mon général Nka Valère. Tu t'assujettis à Ferdinand Ngongo. Un Étone, un Menyara de ça. À côté du village de le grand Amobe, à l'Emevenge. À côté du village aussi de l'ancien directeur du protocole d'État, qui est actuellement ambassadeur du Cameroun, je crois, en Italie, à Dominique Awonesama. Mon général Nka Valère, c'est à toi que je m'adresse. Je vais continuer. Il y a d'autres noms qui ressortent. Le colonel Mesma Elundu, qu'on vient de nommer l'adjoint du DGRE. Vous voyez, tous les noms que je vous donne là, ce ne sont que des étonnes qui se sont alignés avec Ferdinand Ngongo. Je m'adresse donc à ma famille Étone de la Lekie. Martinez Zogo était Mangissa de la Lekie. Dans la Lekie, il y a les Étones, les Mangissa, les Sanada. Vous réclamez justice pour Martinez Zogo, vous les Étones. Mais vous vous associez à Ferdinand Ngongo, qui fait tout pour torpiller la justice. Vous êtes allé vous réunir à Ebebda. Vous avez dit à ma mère, à mes oncles que Zora Moron, n'y a que Kamne, a que Tau le bot, Bengawo et Martin Zora, alors qu'ils devraient être contre eux. Vous recherchez la justice, non? Si vous recherchez la justice, vos propres frères ne doivent pas s'allier avec Ngongo. Parce que tel que je vais vous le démontrer sur ce qu'on ne vous a pas dit. Alors, je vais continuer en disant ceci. Je vous ai parlé du colonel Mesma Elundu, tous vendus en Ngongo. Il a nommé adjoint au DGRE pour faire le sale boulot. Je vais parler ici du colonel Bialo, mon petit frère Bialo, qui est au CER à la recherche. Bialo, c'est un Étone. Pareil, ton nom ressort dans tous les sales coups. Tu es le porte-flingue de Ngongo, mon petit frère. Mon colonel, petit frère, je causais avec toi. Je vais couper les ponts. Tu me respectais beaucoup, mais je te parle hors du cadre familial. Fais très attention. Tout ce qui se gagne sur le dos du diable se dépense sur son ventre. Tu es trop jeune. Fais très attention. Je vais parler aussi d'un de mes oncles. Son nom est ressorti dans les dénonciations de Morgan Palmer. C'est mon oncle, le cousin direct à ma mère à Imana, le colonel Bikele. Le collégien du littoral, c'est lui qui a arrosé mon galon. C'est mon oncle, le petit frère à ma mère, à Emana, à l'entrée de mon atelier. Le nom du colonel Bikele ressort comme faisant partie du cercle de Ngongo. Ouais, tonton, même toi, nous croyons en Dieu, nous étions dans le ouais. Tu pars t'assujettir à un homme. Où est passée la parole de Dieu que nous faisions avec Eugène Gonon? Mon colonel Bikele, tonton, toi qui as arrosé mon galon, oula, le collégien du littoral. Donc, tout le premier cercle de Ferdinand Ngongo n'est construit que des Étones. Un cavalier, le général Nka Valère, le colonel Mesma Elundu, le colonel Bikele, le colonel Bialo, et le cercle lui-même, Galatse Toga. Oulala. Donc, les Étones se rendent complices de la forfaiture, de l'imposture
et du mal. Pourtant, chez nous, dans la Lekki, il n'y a rien. C'est la misère la plus totale, la plus abjecte. Il n'y a ni route, ni école, ni rien. Voilà. Et une fois que je l'ai dit, mon troisième message va à destination d'un certain nombre de généraux. Mes généraux, quand vous venez pleurer auprès de moi, vous me faites parvenir des messages que mon commissaire, il faut appuyer sur la gâchette, expose Ngongo, démontre qu'il veut être candidat, qu'il veut le pouvoir pour que le grand patron ouvre les yeux. Mais mes généraux, vous êtes des généraux. Vous avez la force armée. Vous venez voir un modeste ex-commissaire comme moi en exil, devenu un citoyen lambda, pour que moi, j'engage une guerre contre Ferdinand Ngongo. Vous me faites parvenir des messages qu'il a déjà dépassé tout le monde. Il vous a émasculé. Vous êtes des généraux. Mes frères, vous venez me voir. Vous avez les armes. Vous avez le pouvoir. On nous forme pour neutraliser les gens. Comment vous avez peur de Ngongo? Vous êtes des généraux. Vous contrôlez des unités d'élite. Vous venez me voir pour pleurnicher et me dire que commissaire Zogo, l'homme là dérange trop Ngongo. Il dérange tout le monde. Appuyez sur la gâchette. Le dossier, on dit là qu'il va être président. Appuyez sur ça. Mettez des cœurs pour soutenir le direct, s'il vous plaît. Mes généraux, mes respects, tu ne vous comprends pas. Mettez des cœurs pour soutenir le direct. Ils sont en train d'attaquer le direct, s'il vous plaît. Pompez des cœurs, pompez des cœurs, pompez des cœurs. Le direct, l'image vient figer. Pompez des cœurs. Vous savez qu'ils suivent ce direct à travers la fenêtre. Ils ne se manifestent pas. Moi, je n'avais pas le temps. Je vais travailler demain. Je remplace une collègue. Je ne devais pas travailler ce week-end. Le week-end prochain, c'est ma permanence. Alors, essayez de sécuriser le direct, s'il vous plaît. Sécurisez le direct, s'il vous plaît. Sécurisez le direct. Je vous avais dit ici, ceux qui parlent d'Eto, je vous avais dit que dites à Eto de faire très attention. Il y a une machine qui est lancée, une broyeuse qui va arriver vers lui. Alors, mes généraux, vous venez me voir que, commissaire, ne lâchez pas Ferdinand Ngongo. Appuyez sur la gâchette. Vous voyez, le président ne veut pas ouvrir les yeux. Le président le laisse faire. Donc, il veut être candidat. Il a réuni les gens. Alors, j'ai répondu à ces généraux que, mes généraux, vous avez le pouvoir de capturer Ngongo. Vous avez le pouvoir de l'arrêter. Vous êtes des généraux. Vous avez les couilles ou pas. Ailleurs, un vérité justice, Oligui Nguema était un général. Le général Tiani, en Guinée-Conakry, je n'appelle pas à une insurrection ou à un coup d'État. Non. C'est que vous venez vous plaindre chez moi que mon commissaire appuie sur la gâchette. Ne lâche pas Ngongo. Si Ngongo est devenu si nuisible, mes généraux, à Bourman, s'il est devenu si nuisible, vous avez la force armée, la force militaire. Mais faites quelque chose, mettez-le, neutralisez-le. Mettez-le hors d'état de nuit. Ce n'est pas vers moi que vous devez venir pleurer. Le peuple plutôt attend que vous le protégiez. Vous vous revenez encore vers le peuple. Alors vous avez des moyens de coercition. Mes généraux, vous avez des moyens de coercition, de contrainte, la force armée pour agir, pour stopper cette gabégie, pour mettre fin à cette imposture de Ferdinand Ngongo. Vous venez me voir, vous me faites parvenir des messages que le commissaire appuie sur la gâchette. L'homme là dérange tout le monde. Comment un diplomate, un civil peut déranger les généraux? Le général de Gaulle a libéré la France. Le colonel Leclerc aux États-Unis. Le général Eisenhower, le commandant des forces alliées lors de la Deuxième Guerre mondiale, est devenu président des États-Unis d'Amérique. Qui vous a dit? Qui vous a dit qu'un général ne peut pas devenir président? Vous venez vers moi, cougna, en tremblotant, ayant peur, pour dire que appuie sur la gâchette. Non, mes généraux, moi je vous renvoie à l'ascenseur. Si Ngongo est devenu le problème du Cameroun, résolvez le problème. Vous avez des moyens. Lorsque j'étais à l'école de police, il y a
des moyens militaires et des moyens occultes que les services secrets peuvent utiliser. Et il y a l'empoisonnement. On a empoisonné des grands hommes politiques. Sani Abacha est mort par poison au Nigeria, le dictateur. Et il y a des accidents qu'on peut simuler. Nous avons été formés dans la même école. Ne venez pas pleurer devant moi. Non. Agissez. Si vous trouvez que Ngongo est devenu l'épine dorsale du Cameroun, vous êtes là-bas, vous avez peur, vous tremblez. Vous venez me voir que commissaire, appuyez sur la gâchette. Je vais appuyer sur quelle gâchette? C'est vous qui avez la gâchette. Mes généraux, c'est vous qui avez la gâchette. C'est vous qui avez la gâchette. Vous me demandez d'appuyer sur la gâchette. Je n'ai pas de gâchette. Moi, on m'a retiré la gâchette. Je suis en France en exil. Je serai encore au Cameroun dans la police camerounaise. J'aurai appuyé sur la gâchette. C'est à vous d'appuyer sur la gâchette. Ne venez pas me voir. Vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas satisfait de Ngongo. Mais vous venez me voir alors que vous avez des unités armées féroces. Des unités d'élite que vous commandez. Mais neutralisez-les. Neutralisez-le, c'est pas à moi de le neutraliser. Moi, tout ce que je peux faire, c'est de le dénoncer, de l'exposer, là où tout le monde a même peur de parler de lui. Tout le monde a peur de parler de lui, mais moi, je parle de lui. Alors, sachez donc que si vous vous laissez Ferdinand Ngongo, lui ne va pas vous laisser. Il a le sang aux yeux. Un à un, il va vous broyer. Il va vous broyer. C'est comme ça que on a averti Dor que Ngongo va vous broyer, ils étaient là, ils somnolaient, ils dormaient. Il va vous broyer un à un. Ne venez pas après pleurer et dire que je ne vous ai pas averti. Moi, j'ai averti deux personnes. J'ai averti le COMGP, le commandant de la garde présidentielle, et j'ai averti le directeur du cabinet civil, monsieur Ayolo. Je vous ai dit que vous êtes les prochaines cibles de Ferdinand Ngongo. Parce qu'il a mis en place un système terrible. Une broyeuse. Donc, vous le minimisez, vous le négligez, mais lui ne rigole pas. Donc, mes généraux, c'est à vous que je m'adresse. Maintenant, avant de décrypter l'affaire Benoît Bédian, je vais aussi m'adresser au Nomengi, au président de la République. En Kunkuma, mais ne m'en est quand. Je m'appelle Zogo. Je m'en donne Zoka Mongo. Je m'en donne Zoka Mongo. Je vais interpréter et traduire en français. Je ne donne zora mongo, je ne donne zora mbogo, je ne donne mitang et tungono, je ne m'en gisa sa ikane minkul, ankol me banga. Je comme zoukoulou, école primaire, ankol me banga, à collège bulu, à lycée ou baye seni, en bankoumou, à soi, dans me soin nami, tangan. Papa wam, Paul Biya. Il dit ou 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 nam, de nebetive nanga, don namou te pam. Ite namu telie, namu samba. Ou yon nam, ou jori yon ki, ngongo. Anga komda ma te din. Mais, jibo baba y tchore le beti le kan. Ne le nezizi bot, le ne me bime koup. Parce que ou baba ven nam. Namu onga woum ngongo yon te joy. Le samba, le teli te ou samba, li te ou son. Je vais reprendre en français. Je suis en train d'interpeller poliment, respectueusement et humblement le Nomengi en tant que patriarche Ekan. Pas en tant que président de la République. Je lui dis ceci. Dans la tradition Ekan, tu ne peux pas prendre ta famille, tu confies à ton beau-frère pour gérer. Patriarche excellence Nomengi. Les Camerounais t'ont confié les rênes du pays. Quand toi tu prends ce pays, tu le laisses à ton beau-frère Ferdinand Ngongo. C'est pas dans les us et coutumes des Ekan. C'est pas dans les us et coutumes des Ekan. Les Camerounais n'ont pas confié le pays à Ngongo. Toi, tu confies le pays à ton beau-frère. C'est un signe de faiblesse. Et nous, nous demandons donc où est l'aîné du président Paul Biya. Mon grand frère Franck Biya. Tu es l'aîné. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Je vais me rapprocher de quelque chose là. Le direct est très... Oh là 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 là. Est-ce que vous pouvez bien me brancher le truc? Je ne savais pas que j'aurais un problème comme ça. Hop. Ma batterie n'est pas très très chargée, hein?
Et j'espère que le téléphone ne va pas nous lâcher. Ces gens sont sorciers, hein? Attendez un peu là. Ma batterie à 5%, on va faire un effort, voilà, d'aller très vite. Alors, je ne comprends pas que le Nomengi. Oui, les Nordistes sont calmes, prennent le pays et l'abandonnent à son beau frère. Maintenant, tout le monde comprend que c'est Ngongo qui dirige le Cameroun. Non, on n'est pas 36, maman Régine, bien. Là, c'est marqué 156. On est presque 200, c'est ce que je vois. Donc, du coup, les Camerounais ont confié le pays au président Paul Biya. Comment le président Paul Biya abandonne le pays à son beau-frère et on commence à nous dire que c'est Ferdinand Ngongo qui dirige le Cameroun. Il se livre à toutes sortes de libations, de dérives, d'abus et d'excès. Où est le président Paul Biya? Où est le Nomengi? Il faut mettre ton téléphone à la charge, le direct est bon. Tout à fait, je l'ai mis à la charge. Mais la batterie est tellement faible, je ne sais pas. Je vais peut-être prendre le téléphone de Madame Zogo. Voilà. Donc, on ne comprend pas que le président Biya abandonne le pays parce que je voulais ouvrir la ligne. Il faut que... Attention. Le batterie n'est pas trop chargé. Donc, on ne comprend pas que le président Paul Biya abandonne le pays à son beau-frère Ferdinand Ngongo. Ça veut dire que nous, les bêtis, les écans, c'est l'humiliation la plus totale. La plus totale. Que tu épouses une femme et tu confies ton village, ta famille à cette femme. Pardon, débloque Elvis Tenda Ndoumbé. Qu'il m'écrive après, je vais le débloquer. Vous savez, j'ai bloqué 30 000 personnes. 30 000 personnes. C'est pour ça que des fois, mes directs n'ont pas assez de personnes. Donc, je vais les débloquer au fur et à mesure. J'ai bloqué 30 000 personnes qui venaient insulter, faire n'importe quoi. Alors, moi, je ne sais pas ce qui se passe avec le président Biya pour que Ngongo devienne le vrai président du Cameroun. Maintenant, nous allons décrypter et analyser l'affaire dite Martinez Zogo. Très bien. Dans l'affaire Martinez Zogo, on a vu les conclusions du fameux juge. Le juge conclut à ceci. Je vais vous lire brièvement. Les principaux suspects dans l'affaire. On va y aller rapidement. On n'a pas assez de temps. Hein? Le document qui est arrivé. On nous dit les principaux suspects. Nous allons commencer par Eko Maxime Léopold et Jean-Pierre Amougo Belinga. Je vous explique où est-ce qu'on en est dans la procédure. Au niveau de la justice et particulièrement le tribunal militaire qui fonctionne un peu comme le reste des institutions judiciaires, il y a ce qu'on appelle la phase de l'enquête ou de l'instruction qui est menée par le juge d'instruction en matière de crime ou le commissaire du gouvernement pour des choses moins graves. Le juge d'instruction, donc, qui a été saisi par les enquêteurs préliminaires qui menaient les enquêtes préliminaires sous la coordination du commissaire du gouvernement qui est le procureur chez les militaires, le tribunal militaire, a donc confié à les suspects sont devenus inculpés. Je vous avais expliqué ça. Dans l'enquête préliminaire, ils étaient des suspects. Ils ont donc conclu que on les inculpe et on les met à la disposition du juge d'instruction. Le juge d'instruction, donc, vient de boucler son enquête qu'on appelle la phase d'instruction qui aura duré 6 mois renouvelables, une fois 12 mois. Et nous avons ses conclusions. Il a renvoyé tous les inculpés devant la juridiction de jugement, ce qu'on appelle le juge du siège, qui va donc maintenant procéder à l'ouverture du procès avec le principe du contradictoire, la bataille judiciaire, argument contre argument. Et à la suite donc du procès, il y aura des condamnations ou tout simplement des acquittements. C'est là où on en... Non. C'est là où on en est. Alors, dans les conclusions donc du fameux juge d'instruction Nzié Pierrot, pour les figures de proue de cette histoire,
Nous allons parler de Koeko Maxime Léopold, Amourou Belinga Jean-Pierre, Engwele Engwele, mais je ne le cite pas. Et ils sont inculpés pour complicité de torture. Oui, je vais mettre le numéro, vous allez appeler. Et Koeko Maxime et Jean-Pierre Amourou Belinga, dans le cadre, on parlait de mort suspecte. Maintenant, on parle d'assassinat. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un assassinat. Donc, les deux sont inculpés pour complicité d'assassinat, de torture. Je vais vous décortiquer ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'ils risquent. On continue. Sanvo Martin est inculpé, je dis bien inculpé, pour complicité d'assassinat et complicité de torture. Justin Dangwe, le personnage clé quant à lui, est inculpé pour complicité d'assassinat, complicité d'arrestation, complicité de séquestration, complicité de torture et violation de consignes. Nous irons donc vers un autre personnage clé, Bruno Bidjan. Bruno Bidjan. Bidjan Oba Abikoro. François, lui, il est inculpé pour conspiration de torture et d'arrestation et séquestration. Je ne vais pas m'intéresser aux autres. Nous allons donc... Je vais te débloquer, mon frère Wellington. Sawa, tu vas m'écrire après. Je vais offrir un cadeau. Comme j'ai bloqué 30 000 personnes, je vais débloquer 10 000 dans les prochains jours. Parce qu'on va passer à la phase supérieure. Très bien. Alors, au départ, on parlait de mort suspecte. Ça veut dire qu'on ne savait pas si c'était un meurtre ou un assassinat. Ce qu'on appelle un homicide. Mort suspecte. Donc maintenant, le juge d'instruction en est arrivé au point où il a qualifié clairement les faits. Il a dit qu'il s'agit désormais d'un assassinat. Un assassinat, c'est quoi? C'est un homicide où il y a eu préparation et préméditation. Différent d'un meurtre. Dans un meurtre, oui, tu as parlé avec Bruno le 10 décembre. Je vais mettre le numéro au Lingabris, tu vas appeler. Donc, désormais, pour le juge, il ne s'agit plus d'une mort suspecte. Il ne s'agit pas d'un meurtre. Dans un meurtre, il n'y a pas préméditation. Un meurtre, c'est quoi? Tu te lèves, tu donnes un coup de poing à ta femme ou à ton mari, il tombe, il meurt. Tu n'as pas préparé. Tu n'as pas, il n'y a pas eu préméditation. Donc, pour le juge, on a préparé le coup. Il y a eu préméditation. C'est un assassinat. Est-ce que jusque-là, on est d'accord? Et on est passé de la phase de l'enquête préliminaire à la phase de l'instruction par le juge d'instruction. Et maintenant, on va passer à la phase du jugement. L'affaire évolue. Donc, personne n'a été relaxé à la suite de l'enquête préliminaire. Personne n'est relaxé non plus. En tout cas, les principaux suspects et inculpés à la fin de l'instruction. Et maintenant, nous nous acheminons Régine et Bas. Mes lunettes ne sont pas des lunettes solaires, ma petite sœur. Ce sont des lunettes optiques et solaires. Elles sont modernes. Donc, écoute juste le message. Mes lunettes te gênent en quoi, ma sœur? Viens en Europe, renseigne-toi, ces lunettes sont optiques et solaires. Elles sont les deux. Donc, je vois, je lis. Donc, il faut vous ouvrir au modernisme, ma petite sœur. OK? Voilà. Donc, du coup, c'est des gens qui viennent de concentrer. Vous voyez, j'aborde des sujets importants. Il y a des sorciers. Je ne sais même plus de quoi je parlais. Au lieu de laisser les Kaounais suivre, ils viennent parler de mes lunettes. Ou elle, petite sœur, vraiment au niveau, hein. Alors, j'étais donc en train de parler des principaux inculpés. Je vais pas parler de tout le monde. On est passé de la phase de l'enquête préliminaire à la phase de l'instruction. Et maintenant, à partir du 15 mars, on va passer à la phase du jugement. Avec donc le jugement, il y aura probablement des condamnations et des appels. Donc, on s'achemine presque vers la fin de l'épilogue. Très bien. Ils sont donc désormais inculpés et le juge d'instruction va donc remettre ses conclusions au commissaire du gouvernement qui va saisir officiellement le juge du siège, qui va ouvrir la phase du jugement, du procès.
Voilà. Alors, dans ce que moi je retiens là, juridiquement, on parle de complicité. Qu'est-ce qu'un complice? Qu'est-ce qu'un complice? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un complice? C'est un complice, c'est quoi? En matière de crime, il y a ce qu'on appelle l'auteur d'un crime. Et il y a ce qu'on appelle les co-auteurs. Et il y a les complices et il y a les témoins. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Sécurisez le direct, mettez des cœurs. Donc, dans tout ce que nous lisons, on ne nous parle que des complices, des complices, des complices, des complices. Ça nous pose un problème de droit juridiquement. Un complice, c'est celui qui aide à la préparation d'un crime ou qui assiste. Alors, où sont donc les auteurs de ce crime? Parce que tous sont considérés comme des complices. Pour moi donc, d'après les conclusions du juge d'instruction, il n'y a toujours pas l'auteur du crime. Il n'y a que des complices du crime. Mais qui sont donc les auteurs? Qui est l'auteur? Pour qu'il y ait un complice, il faut qu'il y ait un auteur. Et le complice est complice, n'est-ce pas, d'un acte principal commis par l'auteur du crime. Mes chers compatriotes, est-ce que vous voyez l'ambiguïté? Donc, les juges n'arrivent pas à établir clairement qui sont les assassins. Mais ils établissent qui sont clairement les complices. C'est quand même assez saugrenu, c'est surréaliste et c'est rocambolesque à la limite. Le complice n'est pas l'auteur, ni co-auteur. Le complice, c'est celui qui a aidé à la préparation, qui a assisté l'auteur. Ça veut dire que c'est pas lui qui a commis le crime. Soit on parle d'auteur ou de co-auteur. Donc, jusque-là, nous, on est perdus. Voilà, on n'a toujours pas l'auteur de ce crime ou les co-auteurs. Nous, on ne sait pas de quoi le juge d'instruction parle, les complices. Très bien, s'ils sont donc complices, ce que nous ne comprenons pas, c'est que pendant les auditions, comment les complices n'ont pas livré les auteurs à la suite de toute cette vague d'interpellations, des perquisitions, des auditions à la USAL. Comment on n'a toujours pas l'auteur? Justin Danwe et tous ceux qui ont aidé là, qui sont les complices, complices, complices de l'assassinat, les matins s'en vont. Donc, ils n'arrivent pas à dire au juge d'instruction qui est l'auteur du crime. Qui est l'auteur du crime? Nous attendons toujours. Nous allons continuer dans nos analyses. Nous n'avons toujours pas l'auteur du crime. Donc, le juge d'instruction boucle une enquête sans l'auteur du crime. Il nous livre les complices en droit. Il nous livre les complices dont le juge d'instruction n'a pas pu mettre la main sur les auteurs. Il n'a mis la main sur les complices. Très bien. Comment les complices ne dénoncent pas les auteurs ou les co-auteurs? C'est quand même assez curieux qu'on garde les gens qui passent aux aveux, mais qui ne dénoncent pas qui a tué Martinez Zogo, qui l'a assassiné, qui a porté le coup fatal. Donc, on a plutôt des complices, des gens qui ont accompagné, qui ont aidé à la préparation, qui ont assisté les auteurs du crime. Pour moi, c'est assez rocambolesque. Ça doit être enseigné dans les écoles de droit. Ça échappe à tout bon sens. Deuxième ambiguïté, dans tout ça, nous voyons toujours complice de torture, complice de séquestration, complice d'arrestation, conspiration. Mais qui a donc organisé tout ça? Ce qu'on appelle le commanditaire. Qui est donc le commanditaire? Puisqu'il a établi que Amourou Belinga et Eko Eko Maxime sont des complices de la torture. Ça veut dire que ils étaient d'accord, ils ont aidé pour qu'on torture Martinez Zogo. Mais ce ne sont pas eux qui ont planifié. Sinon, le juge ne devrait pas dire complice de torture. Il devrait utiliser un autre mot, qui sont des commanditaires. Donc, il les désigne comme complices de torture. Pas de l'assassinat. Il y a une nuance. Ils ne sont pas complices de l'assassinat. Ils sont complices de la torture. Ils ne sont pas complices de l'assassinat. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, les conséquences de ça en droit. Alors, nous continuons. Donc, Eko Eko
et Amuro Belinga, d'après le juge d'instruction, ils sont des complices de la torture. Et dans la torture, dans l'acte du juge d'instruction, il va dire ceci sur Justin Dangwe. Justin Dangwe est complicité d'assassinat, complicité d'arrestation et séquestration, complicité de torture et violation de consignes. Ça veut dire que Amuro Belinga et Koeko sont complices des actes de torture infligés à, d'après le juge d'instruction, à Martinez Europa, Justin Dangwe. Maintenant, la qualification de complicité d'assassinat porté contre Justin Dangwe. Il est complice de l'assassinat. Il l'a fait donc avec qui? Parce qu'il n'est que complice de la torture. Maintenant, il est complice de l'assassinat avec qui? Et qui est le commanditaire de cet assassinat? Puisque, d'après le juge d'instruction, Jean-Pierre Amuro Belinga et Koeko Maxime ne sont que les complices de la torture. Voilà. Donc nous ne savons toujours pas qui est le complice de Justin Dangwe dans l'assassinat. Et qui l'a envoyé tuer Martinez Zorro. Admettons que pour le juge, Amuro Belinga et Koeko sont complices de la torture. Que bon, ils étaient d'accord qu'on torture Martinez Zorro, mais n'ont jamais demandé qu'on le tue. Qui donc a envoyé tuer Martinez Zorro? Je vais vous dire qui et pourquoi je le dis. Je continue. On vous dit que Sanvon Martin, complicité d'assassinat, complicité de torture. Ça veut dire que Sanvon serait lié aux autres par la complicité de torture. Maintenant, la complicité d'assassinat, ce sont des accusations portées contre Martin Stéphane Sanvon et Justin Dangwe, le lieutenant-colonel, le chef des opérations. Alors, je vais lire plus loin même, je vois encore d'autres qui étaient là, comme les petits là, le petit même complicité de torture, violation de consigne. Alors, pour nous donc, l'affaire n'a pas bougé. Nous n'avons ni les assassins, ni les commanditaires de cet assassinat, nous n'avons que les complices. Et nous avons les complices de la torture d'un côté, et nous n'avons pas les complices de l'assassinat et leurs commanditaires. Les deux complices de l'assassinat sont Martin Stéphane Sanvon et Justin Dangwe, complices de l'assassinat. Ils ne sont pas les auteurs, ils sont les complices. Qui sont donc les auteurs de l'assassinat? Et qui a envoyé, avec qui Martin Stéphane Sanvon et Justin Dangwe ont comploté? Ils sont complices, complotés, le complot. Ils ont comploté donc avec qui? Pour qu'on assassine Martinez Zorro, le juge d'instruction a fui. Il a bâclé ses conclusions. Il a fourni un torchon, il s'est sauvé. L'affaire reste toujours là. Nous n'avons pas bougé d'un iota. C'est toujours le flou, l'ambiguïté. Ce qu'on appelle chez les géostratèges l'ambiguïté stratégique. Vous avez vu là, quand Macron dit que nous sommes pas belligérants, mais on appelle ça l'ambiguïté stratégique. Ça, c'est l'ambiguïté judiciaire et juridique au niveau, n'est-ce pas, de la qualification. Les complices, complicité, torture, assassinat, violation de consignes. Qui a donné des consignes? Nous continuons. Maintenant, ce qui nous intrigue, c'est le cas de Bruno Bidjan. On dit que Bruno Bidjan est accusé de conspiration de torture, d'arrestation et séquestration. Ça veut dire quoi? Que c'est Bruno Bidjan qui a mené la conspiration, d'après le juge d'instruction, Dieu Pierrot, pour qu'on séquestre Martinez Zorro. Pour qu'on le torture, pour qu'on l'arrête et qu'on le séquestre. Conspiration de torture, d'arrestation et séquestration. Ça veut dire quoi? Donc il a participé à une conspiration pour qu'on arrête Martinez Zorro, pour qu'on le séquestre et pour qu'on le torture. Donc la mort, il n'est pas là.
Donc, en réalité, ils font de Bruno Bijan, le juge d'instruction, le cerveau, le planificateur au-dessus d'Amour Belinga, qui a organisé l'enlèvement. C'est-à-dire qui a conspiré. C'est-à-dire pas qu'il a organisé. Conspirer veut dire, je participe avec des gens, on dit, Paul Biya, là même dérange le Cameroun avec Ngongo. Nous réfléchissons, il faut qu'il y ait un coup d'État. Donc, tu t'assois avec ceux qui vont faire le coup d'État. C'est une conspiration que bon, nous allons, je participe avec vous dans le complot pour qu'on arrête Martinez ou qu'on le séquestre et qu'on le torture. Très bien. Quel était l'intérêt? J'entre dans quelque chose de fondamental. Je vais vous révéler quelque chose. Oui, le juge d'instruction veut voir ses enfants grandir. Je suis d'accord avec toi. Hein. Justice, Kamer, pour tout. Je suis d'accord. Je vais vous révéler quelque chose. Pourquoi ils mettent ces chefs d'accusation contre Bruno Bijan? Mais Sousse vient de me révéler quelque chose de très grave. Dans cette affaire, il est clairement établi qu'ils n'ont rien vu contre Eko Eko Maxime. Ils n'ont rien vu contre Amour Belinga. Maintenant, ils font de Bruno Bijan le cerveau de l'affaire. Je vais vous dire pourquoi. Mes sources m'ont révélé pourquoi ils font ça. Écoutez très bien. On m'a dit que regardez, on arrête Bruno Bijan. Il y a, on dit, parce qu'il a parlé, il a dénoncé, il y a l'acte de placement sous mandat de dépôt de Bruno Bijan pour propagation de fausses nouvelles. Quelques jours après, boum, on l'arrête encore pour conspiration de séquestration, d'arrestation, de torture dans l'affaire Martinez Zogo. Regardez la concomitance des faits. Tout s'accumule sur Bruno Bijan. Voilà. Tout s'accumule sur Bruno Bijan, qui est devenu le cerveau de tout. Je vous rappelle que nous n'avons toujours pas l'auteur du crime et nous n'avons toujours pas les commanditaires. Ouvrez grand les oreilles. Je vais vous révéler des choses maintenant. On rentre dans le vif du sujet. Le Zigli va donc parler. Partagez ce direct, cette petite partie. Vous vous souvenez, une fois, je vous avais dit que au lendemain de l'annonce de l'assassinat de Martinez, je vous ai dit que ça porte, n'est-ce pas, l'estampille des services secrets. Alors, je vais vous dire pourquoi Bruno Bijan est devenu l'agneau à sacrifier. Retenez ceci. Après, je vais ouvrir la ligne. Je vais travailler demain. Je commence à le travail à 13h. J'ai le temps. Je vais ouvrir la ligne. Bruno Bijan est devenu l'homme à battre, la cible. L'homme sur qui on porte toutes les accusations. Je vais vous démontrer qu'il n'y a ni l'auteur, ni le commanditaire. On a vu des gens se faire exfiltrer. Les MOPA, l'ancien directeur général des impôts, un certain Azomo, un proche de Ferdinand Ngongo. Alors, qu'est-ce qui explique que pendant l'enquête préliminaire, les enquêteurs aient épargné Martin Stéphane Sambon? Personne ne l'a inquiété. Ils avaient des écoutes, des téléphones, tout. Mais aujourd'hui, il ressort que Martin Stéphane Sambon est complice de l'assassinat et est complice de la torture. Pourtant, au début, il n'y avait pas le nom de Martin Stéphane Sambon. Comment expliquer qu'il ait été épargné par les très grands enquêteurs parmi lesquels les Mesmer et Lundu, les Diallo, tous ces grands que vous connaissez, la garde rapprochée de Ferdinand Ngongo et les Galates et Touga, tout cela, ils n'ont pas vu l'implication de Martin Stéphane Sambon dans cette affaire. C'est quand même étonnant. Oui, quand vous dites que c'est Danwe, moi je ne sais pas. Nulle part on ne dit que auteur de l'assassinat, Danwe on dit complice de l'assassinat, complicité d'assassinat. On devrait plutôt dire auteur et co-auteur de l'assassinat. En droit, ça a un sens. En droit, ça a un sens. Il y a une différence entre un auteur, un co-auteur, un complice et un témoin. Il y a une différence en droit. Donc, nous voulons que le juge mette comme qualification auteur du crime. Co-auteur, pas complice. Il est complice de qui? Qui a donc assassiné Martinez Zogo? Nous ne savons toujours pas. Le juge joue avec les mots. Alors, je vais vous dire pourquoi
ils essaient de faire porter le chapeau à Bruno Bigam. Je vous avais dit ici une fois que Ferdinand Gongo et sa galaxie, dans leur quête du pouvoir, dans leur boulimie pour conquérir le pouvoir suprême, ils sont en train d'écraser tout le monde. Ce qui leur manquait, c'était la DGRE. Ils ont éliminé Eko Eko Maxime. Ils ont éliminé Amuro Belinga parce que c'était le financier, là, l'argent. Il faut pas que ils puissent nuire à leurs intérêts. Ferdinand Gongo contrôle la gendarmerie. Il contrôle désormais la DGRE. Il a placé ses pions. Il met les diplomates partout. Alors, les deux cibles, je vous avais dit ça, retenez encore. Je vous ai dit que les deux cibles de Ngongo sont le commandant de la garde présidentielle et le directeur du cabinet civil Mvondo Ayolo. Écoutez ça très bien. Alors, je vais revenir sur Bruno Bigam. Vous vous souvenez qu'on accusait Martinez Zorro. J'entre dans le vif du sujet, je crève l'abcès. On accusait Martinez Zorro d'avoir insulté la femme du directeur du cabinet civil Ayolo. Parce que les gens m'appellent ce matin, oui, Bruno Bigam a fait ceci, Bruno Bigam a fait cela. Les gens ne réagissent pas à l'émotion. Ils n'ont aucune information. Ils ne connaissent rien, on les manipule. Souvenez-vous que Martinez Zorro avait été placé en détention pour avoir diffamé, insulté la femme du directeur du cabinet civil Ayolo. vous connaîtrez des choses hein, dans ces pays où vous êtes là. Vous ne savez même pas où vous êtes. Donc, comme Ngongo vise Ayolo et le COMGP, vous avez vu dans l'affaire Bobda, ils ont échoué. Bruno Bigam, qui est presque proche d'Ayolo, parce qu'en réalité, on m'a révélé que Bruno Bigam ne serait pas Boulou, il serait Ntoumou, son père Bikoro, la femme d'Ayolo, Ntoumou. Donc, maintenant, ils veulent faire croire qu'il y a une conspiration de Bruno Bigam pour arrêter, séquestrer et torturer Martinez Zorro, envoyé par la femme du directeur du cabinet civil Ayolo. Donc, ils veulent mettre l'affaire sur Ayolo et sa femme. C'est pour ça donc que Bruno Bigam devient l'agneau. C'est ce que mes réseaux dans le système du renseignement camerounais m'ont révélé. Parce que Ferdinand Gongo contrôle la DGE, la gendarmerie, la surveillance du territoire. Donc maintenant, il veut le cabinet civil. Il veut la GP. Ce sont ses dernières cibles. Et tous les coups seront permis. Donc, ils reviennent pour dire que, dans l'affaire que vous voyez là, comme Martinez Zorro avait insulté la femme du directeur du cabinet civil, on a fait sortir Martinez Zorro sous pression. La femme du directeur du cabinet civil se serait vengée et aurait donc demandé à Bruno Bigam d'organiser tout ça. Vous entendez ça? Tout ce que vous voyez qui tourne là. Quand je vous avais dit ici que le clan Nanga est en train d'affronter le clan Boulou, vous vous souvenez, notre sœur Marlène Mvoutou devrait passer à Vision 4. Bruno Bigam devait lui donner la parole. Vous vous souvenez même que notre sœur Marlène Mvoutou un temps a dit qu'elle connaissait Amuro Belinga. Bruno Bigam devait faire passer Marlène Mvoutou à Vision 4. Ils se connaissent. Je vais vous révéler ça. Il y a des choses que je ne voulais pas dire. Bruno Bigam est proche et connaissait Marlène Mvoutou. C'était même des amis. C'est que je ne veux pas parler. Parce que Bruno est mon petit frère. Je ne vais pas enfoncer le clou dans la plaie. Alors, quand je vous avais écrit de manière énigmatique à cause des insultes de Marlène, Bruno Bigam a payé le rouleau compresseur de Nanga est derrière Bruno Bigam. Je vous dis que, souvenez-vous, il y avait une affiche que Marlène Mvoutou devait passer à Vision 4 dans une émission. Après, on a déprogrammé. Bruno Bigam connaît Marlène. Il la connaît. Mais je vais m'arrêter là. Je ne vais pas faire trop de commentaires. Je vais m'arrêter là. Alors, vous parlez, vous braillez sur les réseaux sociaux. Nous recevons toutes les informations. Comme je vous ai dit que le clan Nanga frappe Bruno Bigam par rapport aux insultes de Marlène. Vous n'avez rien compris. Voilà ça que je vous révèle, que la cible maintenant, c'est que comme ils savent qu'il n'y a rien contre Amuro Belinga, il n'y a rien contre Eko Eko, qu'on risque de les libérer, maintenant ils orientent l'affaire vers le directeur du cabinet civil et sa femme. D'où donc tous les chefs d'accusation contre Bruno Bigam.
C'est ce que mes réseaux dans le système du renseignement camerounais et des sécurocrates, j'ai toujours encore des gens là-bas, m'ont dit que commissaire, nous te donnons ça. Oui, nous te donnons ça. Dans l'affaire où on arrête Bruno, c'est le directeur du cabinet civil qu'on vise. C'est lui qu'on calcule. D'ailleurs, il y a une rumeur qui a circulé qu'on aurait empoisonné Ayolo. Vous avez lu ça? C'est Patrice Nouma qui l'a dit. Il y a tellement de choses qui se passent au palais que c'est devenu une mare à crocodile, un milieu dangereux. Et j'irai, je vais continuer à vous dire que les escadrons de la mort là vont s'étendre. Après le Cameroun, vous avez vu, ils ont tué Monseigneur Balaï, ils ont tué Martinez Zogo. Ils vont continuer à tuer si on ne les arrête pas. Ils vont étendre les arrestations à l'étranger dans la diaspora. C'est pour ça que nous nous préparons déjà et nous allons prendre nos dispositions pour nous protéger. Moi, j'ai déclaré aux autorités françaises, hein, je suis citoyen français, que je peux être menacé avec ma famille. Ils m'ont presque mis sous protection, à distance. Je suis surveillé et protégé. Maintenant, est-ce que la France va jouer un double jeu? J'en sais rien. Voilà. Donc, le réseau de Ferdinand Gongo à la gendarmerie, à des influenceurs qui payent, qui sont là pour couvrir et masquer la vérité et pour faire diversion. La cible, la prochaine cible dans l'affaire Martinez Zogo, c'est le directeur du cabinet civil et sa femme. Quand on dit que Bruno Bidjan devient conspirationniste et complice d'actes de torture, donc il a conspiré, c'est lui le cerveau. Donc, Amour Belinga, on dit complice de torture, ça veut dire que ce n'est pas lui qui a conspiré, c'est Bruno Bidjan. C'est Bruno Bidjan. Ça veut dire que pour eux, ils veulent désigner un nouveau commanditaire. Comme on disait que Sangom est dans l'affaire, il est proche de Ngongo. Non, ils veulent maintenant orienter l'affaire vers la femme du directeur du cabinet civil. Moi, je te parle, M. Wondoyolo. On m'a informé. Vers ta femme et toi, pour dire que comme on avait insulté ta femme et comme Bruno Bidjan est tout proche d'elle, vous tous vous voyez Bruno Bidjan avec le directeur du cabinet civil, non? Que c'est Ayolo et sa femme qui ont plutôt, qui sont les commanditaires. Parce qu'on a insulté la femme d'Ayolo, ils ont donc envoyé Bruno Bidjan. Ce n'est pas Amour Belinga. Voilà vers ça que ça tourne. La lutte pour le pouvoir, les clans. Ils veulent deux têtes. La tête d'Ayolo et la tête du COMGP. Je vous ai dit ça et je vous le répète chaque jour. Ce que je vous dis, ce sont mes réseaux qui m'ont appelé. Que le commissaire parle. Voilà les motivations, les raisons de l'arrestation de Bruno Bidjan. Tantôt on l'accuse de propagation de fausses nouvelles, boum. Après on passe sur conspiration, complicité de... Il est accusé de tous les noms d'oiseaux, mon petit Bruno Bidjan. Voilà les motivations. Alors, il y a une autre information que je ne voulais pas donner, mais je ne vais pas donner les noms. Est-ce que vous savez que lorsque on torture Martinez Zogo, parce qu'il est désormais évident que Martin Stéphane Sanvom, le maire de Bibé, est complice de l'assassinat et de la torture. Ça veut dire que il était là, il savait. On nous dit que dans la vidéo, Martinez Zogo a demandé à Sanvom Martin que, ouais, mon frère, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu autorises qu'on me torture? Écoutez la réponse de Martin Stéphane Sanvom. Après, j'ouvre la ligne. Je vous ai fait deux révélations aujourd'hui. Voilà la deuxième révélation. La première révélation, c'est que l'affaire est en train de vouloir tourner pour qu'on trouve des nouveaux boucs émissaires. Parce qu'on n'a toujours pas le commanditaire. Il a été clairement établi que ni Amour Belinga, ni Eko Eko ne sont pas les commanditaires de l'assassinat. Qui a donc un autre commanditaire? Sanvom étant proche de Ngongo. C'est quand même curieux que Ngongo fasse de Sanvom son bras droit, mais de Bibé, il s'est enrichi sans fonction, mais que Sanvom soit complice d'un assassinat et que le juge Ndien Pierrot n'ose pas convoquer Ferdinand Ngongo comme simple témoin que bon, viens même nous dire quelle est la nature de ta relation avec Martin Stéphane Sanvom. Et c'est cette justice que vous me demandez de respecter. Quand certains extrémistes là, ils me disent que Zogo, tu défends le mensonge, Zogo, vraiment, tu n'as pas honte, tu défends Amour Belinga. C'est vous qui manquez de courage et de couilles pour la manifestation de la vérité
à mon humble avis, il eût été intéressant et nécessaire, et même primordial, que le juge d'instruction, quand même, auditionne M. Ferdinand Ngongo comme simple témoin pour la manifestation de la vérité, pour qu'il vienne nous dire quelle est la nature de ses relations avec Martin Stéphane Sanvom. Oui, il devait venir nous dire quelle était la nature de sa relation. Pas qu'on le suspecte. On peut entendre tout le monde pour la manifestation de la vérité. Comment Martin Stéphane Sanvom, l'enquête préliminaire le couvre, menée par les gendarmes, qui sont presque vendus en Ngongo. Ils épargnent Sanvom. Curieusement, un proche de Ferdinand Ngongo. Il épargne. Maintenant, il est donc établi que Martin Stéphane Sanvom est complice de l'assassinat. Ce que les enquêteurs n'ont pas vu. Et les enquêteurs ne se sont jamais excusés. Les Diallo et tout. Ils ne se sont jamais excusés qu'ils ont épargné un assassin, Martin Stéphane Sanvom. Tout ça biaise déjà la procédure, montre qu'ils ne sont pas crédibles et sérieux. Pourquoi ont-ils épargné Martin Stéphane Sanvom? Dans l'enquête préliminaire, Martin Stéphane Sanvom, qui est un proche, vous dites, l'Opou et le comté, si Ngongo avait le pouvoir, Martin Stéphane Sanvom n'allait jamais être en prison. Très bien. Pas de cuicho. Moi, je te pose une question, la ligne sera ouverte. Pourquoi Martin Stéphane Sanvom a été épargné par les enquêteurs préliminaires? Et tu sais pourquoi Martin Stéphane Sanvom est en prison? Je vais te répondre. Tu fais partie des naïfs. Parce qu'il y a eu, ils ont le dos au mur. Le juge Sikati, écoute bien ce que je vais t'expliquer, a jeté un pavé dans la mare parce que les autres ont reçu la consigne de ne pas parler de Martin Stéphane Sanvom. Vous êtes des idiots. Lui, il a parlé de Martin Stéphane Sanvom. Il a dit, j'exploite ce téléphone, voilà. Et il l'a arrêté. C'est pour ça qu'on l'a enlevé. Et qui l'a enlevé? C'est Ngongo. Donc Ngongo ne pouvait plus rien parce qu'il y avait des témoignages accablants. Ça allait être flagrant. Il ne pouvait plus. Il a été coincé. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque Sikati est un juge intègre, tout à fait, il a payé de sa carrière. Il a dit, moi, je vais entendre Sanvom. Vous vous souvenez que quand Sikati décide d'entendre Sanvom, Sanvom sort l'insulte. Il dit, on va t'enlever. J'appelle la première dame. J'appelle Ferdinand Ngongo. Il a fait adresser une lettre. Les jours qui ont suivi, on a enlevé Sikati. Donc, vous vous racontez n'importe quoi. Vous êtes là pour divertir. Vous êtes des méchants. Des gens comme toi, là. Quand je parle, tu dois me remercier. Vous êtes des méchants. Parmi les gens qui encouragent le mal. Tu viens me dire que si Ngongo était si puissant, est-ce que Ngongo... l'autre allait être en prison. Mais on peut même mettre des gens en prison pour jongler les, et calmer l'opinion, pour qu'on ne le lynche pas. Hein? L'autre était en prison. On appelle comment l'ex-ministre des mines, là, qui est blanc, là, qui se maquille, Papa Njansan. On l'appelle encore comment, là, le ministre qui est sorti, là. On a, Ngongo a signé une décision pour qu'on le libère, non? Mettez-moi son nom, l'ex-ministre de l'eau, des mines, de l'énergie, Papa Njansan, Atanakuna Basile. Atanakuna Basile était à Konenginon. Vous savez quel rôle il jouait? Atanakuna. Qui a signé qu'on sorte Atanakuna Sengongo? Donc vous venez raconter n'importe quoi. Je vais vous dire une chose, vous avez vu la Feka Foot, non? Voilà la Feka Foot. Merci, c'est Atanakuna. La Feka Foot, voilà, la CAN s'est jouée. Il y a eu la mésaventure des Lions. Très bien. Directement, le président ordonne, Jean Ngongo, l'ouverture d'une enquête, on dégage son. Et toi est convoqué chez le premier ministre. Alors, nous voulons aussi cette célérité. Nous voulons aussi cette célérité dans les démarches par rapport au Covid Gate, par rapport à la CAN Gate, au Savannah Gate, au Glencore Gate. Comment ça se fait que le gouvernement soit si réactif quand il faut remettre de l'ordre dans la Feka Foot? Convoquer Eto et Son. On est d'accord. Mais voilà des gens qui ont volé l'argent, les ministres de la Santé, comment on l'appelle, les Ngongo. Ils ont volé les milliards. Le président Biya a annoncé des arrestations, il ne les arrête pas. Pourquoi le président Biya, l'Enganou Ndjoumé, si ces voleurs-là, le président Biya ne fait rien. Ngongo n'instruit personne. Lui-même Ngongo est un voleur.
Est-ce que vous savez que Eko a enquêté sur la ligne 94 et que Ngongo est l'un des plus grands voleurs dans la ligne 94? Vous venez de suivre Morgan Palmer. Morgan Palmer vous a dit que Émile Parfait-Sim était le complice de Ngongo. Ils ont mis sur pied l'IEB, l'IMAL pour blanchir l'argent. Ça a été publié par Mediapart que Ngongo a blanchi l'argent du contribuable camerounais avec Émile Parfait-Sim. C'est là. Où est Émile Parfait-Sim qui l'a exfiltré? Il est où? Pourquoi on n'en parle plus? Ont-ils remboursé les gens dans l'IEB, l'IMAL? Mediapart a publié que c'était une vaste opération de blanchiment d'argent par les hauts dignitaires, dont Ferdinand Ngongo. Est-ce que le président Biya, lui, n'entend pas tout ça? Les fonds Covid, le nom de Ngongo est sorti, des milliards. La CAN, le nom est sorti, des milliards. Le président Biya, lui, n'entend rien de tout ça. Oui, le président Biya, tout ce qui le préoccupe avec Ngongo, c'est la FECA Foot. C'est la FECA Foot. Pour remettre de l'ordre, enlever Rigobert Song, de prendre des mesures d'urgence. Ceux qui prennent les mesures d'urgence, eux-mêmes, les ministres, les moelles, les ordres, eux-mêmes, ils ont quelle crédibilité? Où est le sérieux dans cette république que vous me demandez de respecter? C'est une république des cartels. C'est Medellin et Bogota. La loi du plus fort. Une justice à la Pyrrhus. Mais le président Biya, depuis 3 ans, dans son message à la nation en décembre, nous annonce des arrestations. Les Malachimans, ils sont là depuis 2019, le même gouvernement des délinquants, des voleurs. Quelqu'un construit une autoroute, un Simalène, Yaoundé, Nganoundou Messi. Il dépense 200 milliards sur une autoroute de 10 kilomètres. Yaoundé Douala, depuis 10 ans, chaque année, il construit 10 kilomètres. Où est le sérieux? Où sont les gens qui sont allés voler l'argent du pétrole tchadien dans le scandale Savannah Energy? Pourquoi on ne se précipite pas de les arrêter, de les envoyer à Kondengi, de prendre des mesures d'urgence? La CAN guette, le Covid guette. Le pays va à volo. Le pays va à la dérive. Il n'y a plus de cap, il n'y a plus de capitaine. Disons-nous des vérités. Je vais donc chuter et ouvrir la ligne en vous disant ceci. Parce qu'il est 23h30, je vais arrêter mon direct à minuit. Les 30 dernières minutes seront consacrées à vos appels, si possible. Ce que je voulais vous dire, je ne vais pas citer les noms. Lorsque Sambom assiste à la torture de Martinel Zogo, il ne peut pas me porter plainte puisque le juge Njetero lui-même l'a dit. Complicité d'assassinat et de torture, Sambom Martin. Martinez reconnaît donc Savom, son ami, lui dit « Hey, même toi, tu pouvais me faire ça. » Vous savez ce que Savom lui dit, c'est là l'énigme de cette affaire. Savom lui dit « Qu'est-ce que tu allais chercher dans la maison du patron à son absence ?» Vous qui parlez beaucoup, là, vous êtes au Cameroun, Mia Yemabou, vous êtes des yemtologues. Oh, Bino Bidjan. Ce matin, les gens m'ont envoyé le papier qui circulait là, qui sont allés injecter dehors le réseau de Ngongo. Que, commissaire, voilà Bino Bidjan. Tu vois ça? Conspiration de séquestration, d'arrestation et de torture. Les gens s'agitaient, blum, 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 à gauche. Ils m'appelaient à 7h du matin. Je leur ai demandé que, voilà, le Cameroun sans eau, sans électricité, sans rien, sans route, sans hôpitaux, les gens meurent. C'est Bruno Bidjan. Ça va changer quoi? Le président Biya, elle a fatigué, le pays tombe. Quand on a donc mis Bruno Bidjan en prison, il y a l'électricité au Cameroun, il y a l'eau, il y a désormais les hôpitaux, vous mangez, vous soignez, vous avez des logements, il n'y a rien. Les Camerounais s'attaquent au bouc émissaire. Des gens qui n'ont rien à voir avec leur malheur. Il s'agit. Mais les vrais responsables de leur malheur, ils se cachent et ne leur demandent rien. Donc, quand Martinez redemande donc à Sambom que, mon frère, oui, allô? Oui, bonjour, c'est pour intervenir. Attends un tout petit peu, je conclue. Donne-moi une minute. Alors, quand Martinez redemande à Martin Stéphane Sambom que, mon frère, donc toi aussi tu pouvais me faire ça. Martin Stéphane Sambom lui répond, d'après les éléments exploités par le juge, que qu'est-ce que tu allais chercher chez le patron à son absence? Est-ce que vous entendez ça?
Je ne vais pas m'apesantir dans les directs. Donc, notre frère dont on parle là, qui est mort là, notre frère là, qu'est-ce qu'il allait chercher chez Ngongo quand Ngongo n'était pas là? Il allait faire quoi chez lui? Moi, je parle à demi-mot. Donc, il y a une autre affaire dans l'affaire. Il y a une histoire même compliquée liée aux mœurs. Qu'on ne vous dit pas, vous qui croyez que vous connaissez des choses. Donc, ça vous mettait rageux. Imaginez, moi, je ne suis pas chez moi. Mais, quelqu'un vient chez moi en mon absence. Et je ne suis pas au courant. Après, je découvre qu'il vient chez moi. Vous savez, chez moi, j'ai mes filles. J'ai ma femme, je vais lui dire que tu viens faire quoi chez moi, mon absent. Moi, je m'arrête là. Que celui qui a des oreilles comprenne. Amen. Abimte. J'ouvre la ligne. Moi, je veux aussi voir mes enfants grandir. Moi, je n'ai cité aucun nom pour qu'on vienne s'attaquer à moi là avec des plaintes. Je n'ai rien dit. Que celui qui a des oreilles comprenne ce que notre frère là allait chercher chez le monsieur qui dirige le Cameroun là à son absence. Quand lui était au bureau ou ailleurs, il restait dans sa maison. Qu'est-ce qu'il cherchait? Et sans vous lui dire ça avec la rage. Allez donc vous-même, que chacun se fasse une idée. Et moi, je m'arrête là. 00337 58 37 13 15. Voilà le numéro de téléphone. On va l'épingler. Épingler. Alors, mon frère, la ligne va s'ouvrir, tu vas parler. Ne quitte pas, hein? Ne quitte pas. Je vous laisse parler et un instant, hop, on va remettre ça ici. Le téléphone est chargé pour combien là? Est-ce que ça peut encore soutenir un direct? 16%, oui, ça peut. Voilà. Les 16% là, on va ouvrir la ligne. Appelez jusqu'à minuit. À minuit, je vais aller me coucher. C'est l'heure de la sorcellerie. Comme les gens là, ils sont des sorciers, ils sacrifient des gens. Oui, allô? Ouais, le commissaire Legault. En fait, j'appelle parce qu'en fait, c'est une intervention. Je suis un ami d'enfance, un peu de Bruno Bidjan. D'accord. Et, donc, ça me fait un peu rigoler votre dernière phrase. Donc, j'appelle comme ça parce qu'en fait, j'avais causé un peu avec Bruno, c'était au mois de décembre. D'accord. Donc, avec Bruno, on a grandi dans une atmosphère un peu très difficile à Saint-Bélivant. D'accord. Parce que Bruno déjà était à l'internat du lycée technique de Saint-Bélivant. D'accord. Et ça prouve à quel point son père était déjà très sévère. Parce que moi, je connais un peu monsieur Bita en étant quelqu'un de très, très sévère. C'est ça, c'était la référence. Parce que quand tu voulais approcher un peu Bruno à l'époque, tu faisais juste recours à son père. D'accord. Parce que son père n'a cité le merci. Donc, ça revient aujourd'hui, le mois de décembre, quand j'avais eu à poser avec lui. Il y avait déjà un peu trop de tournure autour de lui. D'accord. Il y a tellement de zones de turbulence un peu autour de lui parce qu'en fait, Bruno s'était engagé avec des hommes politiques à l'époque, quand il avait eu son baccalauréat au lycée classique de Saint-Benoît, puisqu'il était externe, comme je l'expliquais, il était interne, mais il était à l'internat au lycée technique de Saint-Benoît, mais il était. C'est-à-dire, il faisait ses cours au lycée classique et moderne de Saint-Bélivant, mais il retournait à l'internat. D'accord. C'est comme ça qu'on avait reconnu Bruno. Donc, ça prouve que Bruno commence à subir un peu des tracasseries du moment où il commence à octroyer le métier de journalisme. Parce que Bruno, à la base, n'était pas un journaliste. D'accord. Bruno était au lycée, il était président du club journal. D'accord. Donc, ça veut dire que tout le PMS qu'on faisait à l'époque, au lycée, c'était Bruno qui les organisait. D'accord. Et il y a eu un moment où il était président des coopératives.
Parce que le lycée de Sangoma, je vais vous le dire un peu, pour ceux qui vont nous écouter un peu, ils connaissent un peu où il se trouve. D'accord. Donc, ça dit que la présidence de la République est là, juste en amont. Et ça, vraiment, tout le regard sur le lycée classique de Sangoma. Et vous avez toutes les élites de Sangoma qui sont vraiment passées un peu dans ce lycée, d'accord? D'accord. Et ce lycée, en fait, il y avait tellement de rigueur. D'accord. Et on reconnaissait, on attribuait le mérite au meilleur. D'accord. À l'époque. Ça, c'est un peu l'historique un peu ancienne de Bruno quand il était élève. D'accord. Ça trouve que il y a eu un peu des problèmes autour de son lieu de service où, moi je parle comme ça, Pascal, je vais pas être un peu diffusé plus tard. Ça, c'est un peu. Oui, si tu peux passer à l'essentiel, les gens le disent. L'objet de l'appel aujourd'hui, tu nous as fait un témoignage. Bon, c'est intéressant, oui, mais voilà, sois direct, dis-nous. Nous, on connaît un peu très Bruno, quoi, vous comprenez un peu. Donc, Bruno, un peu, sortant un peu de la besogne, c'est un gars qui errait, qui voulait vraiment à tout prix un peu aspirer, quoi. Mm. Sachant déjà dans le passé que c'était très difficile pour nous autres de suivre. Bien sûr que son père avait assez de moyens, mais ce n'était pas des moyens assez stables. D'accord. En décembre, s'il te plaît, qu'est-ce qui t'a révélé, frère? Excuse-moi, hein, puisque tu veux nous dire quelque chose. Ce qui me révèle, oui, justement, parce qu'il faut me poser des questions de temps à autre pour que je me dérive un peu, quoi. D'accord. Ce qui me révèle un peu, c'est la façon et la manière dont il avait été interpellé. Parce que l'arrestation qui a été faite au jour d'aujourd'hui, on comprend un peu, pas qu'on comprend, hein, c'est ce qui est réel, c'est le fait réel. Qu'en fait, les élites l'ont utilisé et au moment où il s'est rendu compte qu'il s'est fait berber et qu'aux dernières minutes, il fallait qu'il fasse des déclarations, ils ont profité de cette occasion-là un peu pour l'attribuer d'autres choses sur le dos. D'accord. De manière simple, si tu permets, que veux-tu révéler? Les élites l'ont utilisé et au moment où ils voulaient faire des révélations, on l'a neutralisé. Est-ce que tu peux nous le dire de manière claire, avec des détails, pour qu'on comprenne très bien? Parce que c'est une affaire compliquée. Non, mais en fait, c'est quoi en fait ce genre, oui, moi, quand tu étais très bien, vous savez un peu le mouvement, la politique un peu, bon, vous avez été dans les forces de l'ordre. Oui. Et la politique, il faut la retenir, c'est un peu ça, plus d'aspect un peu, il y a plus de ruse au-dessus. Ça, il faut le comprendre. Parce que quand vous vous aventurez en politique, sachez que c'est comme un jeu de poker que vous êtes en train de jouer. Quoi. Mm-hmm. Soit vous perdez, soit vous gagnez. D'accord. Honnêtement, je vais vous dire, la jeunesse en a besoin d'un sang nouveau pour l'émergence 2025. Parce que c'est comme une émergence. Ça va être comme étant une sorte de changement entre les jeunes et les plus anciens, le nouveau gouvernement et l'ancien gouvernement. Quoi. C'est un peu cette alternance. Quoi. D'accord. Et ça trouve qu'il y a beaucoup d'intérêts un peu politiques là-dessus, qu'on ne peut pas trop se prononcer. Mm-hmm. Comprenez un peu. Oui, mais nous, on a un problème. La mauvaise personne la plus choisie, c'était Bruno, parce que Bruno ne vient pas d'une famille assez aisée. Non, mais on va revenir sur le problème. Vous êtes un citoyen, n'est-ce pas? Martinez Zorro a été tué, assassiné. Nous voulons justice. Est-ce qu'une république doit fonctionner? Alors, il y a ce qu'on appelle le rêve. Moi, je suis issu d'une famille très pauvre. Je me suis ici au sommet, je suis devenu commissaire. Je connais des personnalités et tout. On ne peut pas me le reprocher. Obama est un enfant d'immigré, il est devenu le président des États-Unis. On ne va pas reprocher à quelqu'un ses ambitions. Le problème au Cameroun, c'est celui de l'état de droit de M. Ferdinand Gongo, qui dirige de fait le Cameroun. Il fait ce qu'il veut. Moi, il y a des choses. Quand je te dis que, quand on torture, écoute bien, quand on torture Martinez Zogo, Sanvom, Martinez Zogo lui dit, mon frère, qu'est-ce que je vous ai fait? Il dit à Martinez Zogo que, qu'est-ce que tu allais faire chez le patron en son absence? Je m'arrête là, tu comprends entre les mots. Qu'est-ce que cela te suggère? Qu'est-ce que cela te suggère qu'on veut révéler des comptes au directeur du cabinet civil et à sa femme pour leur faire porter le chapeau?
Non, parce qu'on tourne autour du pot. On est dans un état de droit. Alors, imagine que on t'accuse d'un crime que tu n'as pas commis, des faits dont tu n'es pas responsable. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Le passé de Bruno, sa scolarité, les élites, ça ne nous intéresse pas. Oui, mais le véritable problème qu'il faut mentionner aujourd'hui est la tristesse. D'accord. C'est qu'en fait, le chef d'État vient d'abord d'une région où il était lui-même dernier. D'accord. Il n'a pas été aimé dans sa propre région, dans son propre village. D'accord. Comprenez un peu comme ça. Oui. Alors, nous sommes dans une phase où le Cameroun est dans une position assez très fragile. C'est très fragile ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. D'accord. Je vais un peu interpréter. Si tu permets, tu parles en sage entre les lignes que le président a été berné dans son village. Il n'est pas aimé chez lui. Donc, de manière incidente, pour punir son village, il a décidé de confier le pouvoir à son beau-frère Ferdinand Gongo. Moi, j'aime qu'on soit direct. Moi, je ne suis pas dans la démagogie. Voilà. Okay. Est-ce que c'est ça que tu veux nous dire? C'est le cas de Ferdinand Gongo un peu, parce qu'en fait, Ferdinand Gongo un peu, moi, je suis le neveu d'un général X au Cameroun. Ben, des généraux, justement, qui manquent de courage. Gongo les met au pas. Non, il les émascule. Vous avez évoqué, durant le direct, vous avez évoqué, vous avez parlé des généraux. Oui. Qui vous écrivent. Oui. On est clair. Là, je le confirme. Je le confirme. Moi, je vous parle à visage caché. Je vous parle à visage caché. Je suis le neveu d'un ancien général. D'accord. Voilà. Alors, ça prouve que, en fait, où nous sommes là présentement, vous êtes censé connaître que, en fait, il y a deux camps. Oui, ben, tout le monde en parle. Voilà, tout le monde le sait. Alors, ça veut dire que même le Ferdinand Gongo que vous êtes en train de glorifier aujourd'hui, c'est pas la personne idéale. Un instant, moi je n'ai pas glorifié Ferdinand Gongo. Je dénonce ses dérives, ses dérapages. Voilà. Et sa mainmise, et sa haute mesure. Si vous dites que Bruno Ferdinand Gongo aujourd'hui est derrière les barreaux à cause de certaines élites X ou Y, il faut comprendre que tout simplement, mon commissaire, vous êtes mieux renseigné que toutes ces personnes-là qui vous écoutent sur la toile. D'accord. Okay. Ailleurs où nous sommes là, c'est même plus le président de la République qui a le mot. C'est qui? C'est pas parce qu'en fait on ne veut pas parler. C'est pas en fait qu'on veut pas mais parler. Mon frère, parlons. Nous sommes des hommes. Tout le monde espère juste avoir voir le Cameroun passer d'une transition tranquille. D'accord. Mais si depuis qu'ils en ont décidé, tant mieux là, pour eux, mon commissaire. D'accord. On est ni Y de toi et moi là. C'est, nos voix ne peuvent que éveiller. Elles ne peuvent pas agir. Parce que. D'accord. En fait, ce sont des gens qui ont pris des racines depuis. D'accord. Dis-moi un peu. Si tu permets, fais-nous une dernière révélation. Qu'est-ce que ton oncle général lui t'a révélé? Puisque tu agis. Mon oncle général meurt au mois de février. Oui. Et quand il meurt, à la veille du jour, il devait mourir. Enfin, le jour même qu'il était en train de mourir, il était en train de tester la présidence. Comme vous voyez, il avait un problème de gorge. Oui. C'était juste un petit problème de gorge. Oui. Contacte le cabinet à la présidence. Comme quoi, voilà, s'il peut avoir justement droit à une évacuation. Mais dis donc, au Cameroun, il n'y a pas les hôpitaux pour soigner. Avec tous les hôpitaux de référence dont on parle. Tout dépend aussi du régime de cette personne-là. D'accord. Au Cameroun, nous avons aussi des structures sanitaires qui répondent mais à des standards. Pourquoi donc le général ne se fait pas soigner là-bas dans ces hôpitaux de référence? Justement, quand, par exemple, lui, il a te dit que peut-être son dossier médical était peut-être en Indonésie où il a travaillé. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que c'est son médecin principal. Il a mais non, mais il y a des médecins au Cameroun spécialisés avec des hôpitaux de référence. Non, mais lui, il ne bossait pas. Moi, mon cas extrême, lui, il ne bossait pas au Cameroun. Il était à l'ambassade X du Cameroun. Il représentait une ambassade quelconque à l'extérieur du pays. Ouais, un peu. Et donc, j'étais à l'ambassade et
En revenant du pays, genre, oui, Oui. tu veux me prendre un séjour, et Oui. c'est par là qu'il allait choper la maladie, quoi. D'accord. Bon, qu'est-ce qui t'a Bon, revenons révélé? maintenant dans ça. Qu'est-ce qui t'a Pardon? révélé sur le système? C'est ça qui nous intéresse en une minute. Parce que l'heure du Qu'est-ce qui bilan est m'a révélé que arrivée. le système problème? Moi, en fait, Oui. en homme sage, aujourd'hui, je ne peux pas être de ceux-là qui vont se révéler. Je D'accord. veux que toutes les générations qui sont au Cameroun aujourd'hui profitent, D'accord. comme on Je vient de vais dire. te poser une question. C'est-à-dire que... Je vais te poser une question. Tu te fais passer Oui. donc pour un homme sage, ça veut dire que tu fermes les yeux sur les abus, les injustices. Tu es un chrétien. Nous avons grandi dans la tradition chrétienne. Les gens qui tuent, qui volent, qui assassinent, tu te rends complice. Tu dis tu préfères te taire. Mais, Je préfère pas me taire parce qu'en fait, à la base, nous suivons ces réseaux sociaux. D'accord. OK. Hein. Nous suivons. Si justement, je n'étais pas de ceux-là qui s'intéressent à ce genre de choses, qui ne savaient même pas en train de parler, parce que j'en D'accord. connais, certes, ne parlent même pas de ça. Comprenez D'accord. un peu. Non, je salue bien votre La courage. conviction déjà que nous, la jeunesse, la future jeunesse, la génération de demain, nous Oui. voulons à tout prix trouver pour nos pères qui n'ont pas pu réaliser ce qu'ils ont eu à faire. D'accord. Mais c'est justement pourquoi nous intervenons dans nos jardins. Merci Au beaucoup. pire des cas, on reste dans nos bunkers Oui, tranquillement. mais comprenez Moi, aussi que moi, je parce le qu'en fait, disais, si tu les gens permets. ils ont tendance à penser que, en fait, quand tu es le fils de X ou Y, ça veut dire que tu jouis de tous les droits. Alors que c'est de l'enfer, hein. D'accord. J'ai bien compris ton message. Mais ce que je vais te dire aussi, c'est que si nous nous intervenons, c'est pas parce que nous avons trop faim, il me manque de rien là où je suis. J'ai le Je minimum comprends. qui me permet de bien vivre avec ma famille. Ceux qui souffrent, ce sont ceux qui sont là-bas au Cameroun. C'est pour eux que nous parlons. Hein, frère, je ne suis pas riche, mais je ne suis pas pauvre. Je peux vivre sans La parler. volonté, la volonté, la volonté partie, la volonté comme notre, comment dirais-je, la volonté universelle dans le bon sens, en fait, dans lequel nous sommes présentement au Cameroun. D'accord. Nous sommes tous conscients, en fait, que ça va mal. D'accord. Mais, pour éviter le pire. Mais remettons-nous au boulot et disons-nous que ben, voilà, nous sommes des jeunes et voilà, mettons-nous. Parce qu'en fait, Mais frère, on ne peut pas. frère, pour se mettre au boulot, il faut déjà déconstruire ce qui a été mal fait. S'il y a des gens qui entretiennent un système pour pérenniser les dérives et on sanctionne les innocents, mais il faut déjà commencer par dénoncer. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on passe d'une transition comme ça simple à une autre? Oui, ben, Il y a beaucoup de je choses vais à donc te faire. poser une Mais c'est question. justement. Tu permets, comment toi tu viens blâmer le peuple au lieu de blâmer ceux qui sont en train d'orchestrer le désordre? Parce que le Qu'est-ce on que ne blâme nous, pas le peuple de nos côtés. En fait. qu'est-ce que nous on a à voir dans ça? Nous disons juste que ce qui On se ne blâme passe pas. est On ne blâme pas. inacceptable. Ben, je m'excuse. Je m'excuse, hein, mon commissaire. Peut-être le temps il est mal utilisé, mais on ne blâme pas le peuple. C'est en fait une façon de faire comprendre au peuple aussi que nous subissons aussi les mêmes tracasseries. Je D'accord. comprends pour le truc. Ça, mais au niveau international, aujourd'hui, pour faire des études, tu sais ce que ça vaut. D'accord. OK. On a bien Je te compris. dis même que peut-être c'est le Camerounais lambda qui a encore plus D'accord. d'opportunités que nous autres à l'extérieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour On ton va terminer là-dessus. intervention. Bonne soirée à vous, Bonne quoi. soirée. Merci. OK. S'il y a d'autres intervenants, on les prend et on va bientôt arrêter parce que le téléphone n'est plus trop chargé. J'ai dit l'essentiel. Intervenez, hein, appelez, n'ayez pas peur. Il faut chasser la peur. Chasser la peur. Il y a encore quelqu'un pour intervenir ou pas? La ligne est ouverte, le numéro s'affiche. N'ayez pas peur. Intervenez. Pourquoi vous êtes mort de truie? Vous êtes comme ces généraux qui, eux, ils m'appellent. Ils me demandent de sauver le Cameroun, de libérer le Cameroun. Voilà un courageux. Oui, mon frère Daniel Sissima. Lui parle Oui, à je viens au bout. Oui, Salut. salut, tu es en direct. D'accord. J'appelle par rapport à cette affaire Martinez Ogo. Mais je voudrais m'appesantir beaucoup sur le cas de l'Abidjan. D'accord. Moi, j'ai lu l'ordonnance signée par le juge d'instruction. Oui. Quand on lit bien le cas de l'Abidjan, on se rend compte que il ne reproche
Parce que rien à Bleu-Bidjan. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas grand-chose. Voilà. Ils se basent tout juste du message WhatsApp. Voilà. De la conversation que Bleu-Bidjan avait eue avec Paul Désir Biya. Voilà. Donc, dans cette conversation, Bleu-Bidjan dit à Paul Désir Biya que qu'il faut que arrêtez-le, quand on va réagir là, vous venez de dire que oui, c'est ça. Tout à fait. Oui. Parce que quand on va réagir, et c'est donc ce message-là que Paul Désir Biya va donc envoyer à l'un des enquêteurs du CED. Et c'est à base de ce message-là qu'ils viendront donc arrêter Bruno Bidjan, je crois, le 6 février. Et c'est avec ce message-là qu'ils disent donc que Bruno Bidjan a fait la conspiration. Donc il était au courant. D'accord. Dani, tu penses donc oui. que tout un juge d'instruction qui a de l'expérience va s'appuyer sur un faisceau d'indices très discutable, une preuve tenue qui ne tient pas pour arrêter Bruno Bidjan, faire de lui l'agneau et faire tout ce spectacle? Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Je l'entends, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sérieux dans cette enquête. On masque la vérité. Si le Cameroun a une vraie justice, oui. un vrai avocat, il va faire tomber ça lors du jugement parce qu'il va falloir prouver, alors, prouver que Bruno Bidjan, que c'est lui qui a commandité, c'est lui qui a préparé. Dani, qu'on aille à... oui. Toi, tu crois que ce procès n'est pas une parodie? Il y a quel juge qui peut tenir tête en gongo? Tu ne vois pas que le verdict est déjà dicté à l'avance et que la montagne ne va accoucher que d'une souris? Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'il faut que l'affaire soit médiatisée. Il faut que les réseaux sociaux prennent cette affaire. Il faut qu'on en parle. C'est pour ça que moi, je suis même content du fait que tous les documents sortent dehors. Pas pardon, que tous les documents sont mis dehors. Moi, je suis d'accord. Parce que si les documents ne sont pas mis dehors, ils vont continuer avec la masque. Alors, je vais te lire une déclaration de quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, Benoît, et que j'aime bien ce qu'il a écrit. L'ordonnance de renvoi du juge d'instruction est un mélange de un ramassis indigne d'un juge. Je suis totalement d'accord avec lui. C'est un vrai ramassis, un torchon. C'est très indigne d'un juge d'instruction. Franchement, quand on voit ça, franchement, Dani, nous avons la culture juridique. Tu es d'accord avec moi que les complices ne sont pas les auteurs, non? Non, les complices ne sont pas des auteurs. Voilà. Le Sarko dit que tu es passé par le Panam. Je peux venir te voir. Il dit, j'ai osé vous. Je veux que tu me donnes 20 000 euros. Voilà. Tu me donnes 20 000 euros. Mais moi, pas derrière. Les 20 000 euros, là, je donne à deux bandits. Pour que les deux bandits aillent viennent peut-être agresser mes voisins. Voilà. On ne pourra jamais dire que tu es complice. Parce que quand tu m'as donné 20 000 euros, je ne t'ai pas dit que je veux 20 000 euros pour payer les bandits pour qu'ils viennent agresser, par voilà. exemple, peut-être mes voisins. Ou bien pour qu'ils viennent peut-être, je ne sais pas, faire du mal à mes voisins. Je ne t'ai pas dit. Mais si je te dis donc que je veux que tu me donnes 20 000 euros, les 20 000 euros là, je vais aller prendre les bandits pour qu'ils veulent peut-être faire du mal à mes voisins. Ça veut dire que là, tu es complice. Tout à fait. Tu seras complice par elle. Ouais. Parce que tu as été au courant. Tu t'es mis au parfum. Voilà, c'est ça. C'est ça une complice. Oui, donc, c'est ça. Oui, tu es d'accord avec moi complice, que complice par elle. D'après oui. l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, on n'a toujours pas les auteurs ou les co-auteurs, encore moins les commanditaires. On n'a que les seconds. Il y en a pas. Voilà. Et tout ça. Il n'y en a pas. L'auteur, c'est celui qui a vraiment porté le coup fatal, tué, c'est ça. Le coup qui a vraiment tué, c'est lui l'auteur et avoir les auteurs. Voilà. Après, maintenant, là, le commanditaire, c'est celui qui met en place le programme. Pour tuer. Il appelle, il vous dit, je veux que vous partez me tuer, m'attirer. Voilà. Et il est clairement établi que c'est lui qui met le plan. Amourou Belinga et Koyoko sont accusés d'être des complices de la torture, n'est-ce pas? Donc, oui. Logiquement, ils n'ont rien à voir avec l'assassinat. D'après l'ordonnance du juge, on est d'accord ou pas? Oui, d'après l'ordonnance du juge, même, on comprend même qu'ils sont, ils sont même en train d'innocenter même, par exemple, à Moubelinga. Tout à Parce fait. Quand on lit bien son ordonnance, il dit que le, comment il s'appelle encore, le Justin Damoué, qu'il dit qu'il est venu voir Amoubelinga. Et Amoubelinga aurait dit que j'aimerais que vous traitiez Martinez Zogo. Et le passage, Amoubelinga a donné ses 2 millions. Et que d'habitude, Amoubelinga lui donne souvent de l'argent. Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui prouve que les 2 millions qu'on lui a donné, c'était pour qu'il aille
il a traité Martinez de beau. Voilà, c'est ça. Voilà seulement le seul endroit dans l'ordonnance qu'il essaie de mettre à Mouberinda. Et pour Eko, il se réfère juste par rapport à l'administration. C'est ça. En tant que responsable de la DGRE, il doit quand même être au courant. Donc, il ne relie pas directement Eko par rapport à l'assassinat de Martinez de beau, mais il dit seulement par rapport à l'administration, par rapport à l'organigramme, il devrait quand même être au courant. Et que depuis 2017, Martinez aurait été sur une liste, donc sur une liste de journalistes qui étaient suivis, qui étaient contrôlés, donc normalement, il devait être au courant de l'affaire. Donc, vous voyez, quand vous regardez bien, vous voyez qu'il est... Il faut demander l'innocenté, même Eko et Martinez, et Abou Belinda, quand vous regardez bien leurs ordonnances, mais seulement comme ils sont pris. Et cela, vous comprenez que l'ordonnance de juge Sekati était vrai. Mais bien sûr. Parce que c'était vrai. Il n'y a vraiment rien contre Mouberinda et Kouéko. Mais je vais même révéler. Mais ce juge d'instruction-ci, il est tellement tenu par quelque chose. Ouais. Qu'il est obligé. Je vais d'ailleurs te révéler que. Oui. Dans les coulisses, M. Pierrot voulait libérer à nouveau vendredi. Nous avons eu cette information à Mouberinda et Kouéko. Mais on lui a dit, si tu le fais, on te remplace comme Sekati. Je vous confirme cette information. Nous savions qu'il voulait libérer vendredi à Mouberinda Eko à nouveau. Je vous confirme ça. Mais on a brandé à nouveau la menace de le dégager. Voilà. Je te laisse conclure en une minute, s'il te plaît. Oui. Oui, c'est ce que je disais par là, moi, avec Bruno Bidjan. Ils disent bien que Bruno Bidjan, développant ses moyens de défense, il a déclaré qu'il n'en est rien. Ni de prêt, ni de loi associée à l'assassinat de Martinez de beau. Bien que les rapports entre le défunt et le journaliste du groupe Orange, la Redox, sont tendus, il a expliqué que l'expression « on sera sans pitié pour lui » qui lui avait arraché Paul Desibia lors d'une conversation où il parlait de Martinez de beau, signifie tout simplement que lorsque le patron du groupe la Redox allait engager des poursuites contre ce journaliste diffamateur, il n'y aura pas moyen de faire marche arrière. Ouais. Et que cette expression ne traduisait nulle part une intention d'agression physique à son encontre. Absolument. On y va même loin. C'était pas parce que quelque chose était là programmé. Merci beaucoup. Juste que quand on va lancer une procédure judiciaire contre lui, il n'y aura pas de pitié et tout. Tout à fait. Merci donc, beaucoup. Mais eux disent que c'était pas au hasard que Bruno Bidjan veut péter les roulets dans la farine. Que c'était pas au hasard que quelques jours après, Martinez de Beau est tué. Mm. Mais dans l'ordonnance, il n'apporte pas de preuves. Tout à fait. C'est comme moi, je me dis qu'un vrai avocat, si c'est un avocat pour envoyer une vraie justice, un vrai avocat, il va balayer ça. Parce qu'il va falloir qu'il prouve que Bruno Bidjan, lorsqu'il disait ça, il disait ça pour les Ibiya, Bruno Bidjan était déjà au courant qu'il y avait déjà un problème. Oui, voilà, on appelle une infraction. Une infraction a trois éléments. C'est-à-dire, oui. Les éléments constitutifs d'une infraction, il y a l'élément légal, l'élément moral et l'élément matériel. Voilà. Toi, tu comprends, tu as beaucoup fonctionné avec nous en justice. Oui. Alors, pour qu'on te juge Exactement. Et qu'on te condamne, il faut que la loi punisse l'acte que tu as posé. Ça veut dire quoi? Oui. Si je viens fouetter un corps mort, on ne peut pas m'accuser d'assassinat au domicile. On peut m'accuser de profanation parce que, voilà, un corps mort, je peux le fouetter, je peux le tabasser. Ce n'est pas un homicide. Peut-être c'est une profanation. De deux, il faut qu'il y ait donc l'élément matériel. Ça veut dire que tu poses l'acte. Oui. Et maintenant, il faut l'élément moral ou intentionnel. Ça veut dire quoi? Que tu aies eu l'intention de le faire. À la base donc de ça, je peux faire une déclaration sur la base de la colère, de l'émotion. On appelle ça des déclarations fracassantes. Je vais tuer Daniel Essissima. Bon, il faudrait donc que je réunisse les moyens pour te tuer et que je passe à l'acte pour qu'on me condamne. Bon, maintenant, on ne va pas me condamner sur la base d'une déclaration. On peut dire, bon, peut-être ça c'est une déclaration, on va appeler ça menace de mort. Dans ce cas, qu'on requalifie les faits de Bruno Bidjan. Qu'on dise qu'il a menacé de mort Bruno Bidjan. Mais qu'il n'a pas... Oui. Moi, je ne comprends pas cette justice, en fait, Dani. En plus de ça, c'est surprenant parce que le même type de message, Bruno Bidjan avait déjà tenu ça à l'encontre du journaliste Guizogo. Voilà. Guizogo. Il est dans sa page, sur la page de Bruno Bidjan. Bruno Bidjan avait écrit, voilà, Kidos TV, à travers Guizogo,
qui nous attaque officiellement. Mmh. Quand on va réagir, on dira toutes sortes de choses contre nous. Voilà. De toutes les manières, on ne perd rien à attendre. Voilà. Oui, j'avais écrit ça à la compte de Guizzo. Quand ça a suffi quelques jours, Guizzo était peut-être agressé. Ils ont automatiquement dit que c'est Bruno Bijan parce qu'il avait écrit un message sur sa page Facebook. Absolument. Mais normalement, après la justice, il faut des preuves. Tout à fait. Tout à fait. Il faut des preuves. OK. Donc, merci. Merci pour ton intervention. Merci. Alors, nous sommes donc étonnés que jusque-là, les gendarmes qui ont refusé de secourir Martinez Oro, lorsque les tueurs venaient vers lui, qui n'aient pas été convoqué et jugé ou aussi condamné pour non-assistance à personne en danger, on est aussi très surpris par ça, que des gendarmes ayant secouru Martinez Zogo, n'ayant refusé de secourir Martinez Zogo, ne soient pas poursuivis et condamnés pour non-assistance à personne en danger. C'est quand même très étonnant. On va prendre un dernier appel là. Oui, allô? Très étonnant. On va prendre un dernier appel là. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, vous êtes le dernier intervenant. On vous écoute. Oui. Bonsoir, commissaire. Oui, bonsoir, cher compatriote. Oui, j'appelle pour un cas général. D'accord, allez-y. Pour le cas Bruno Bidjan, pour le cas d'Amourou Beninga, laissons la justice suivre son cours. Ne faisons aucune accusation pour X ou Y. Vous êtes un... Je vais interrompre cet intervenant. Voilà. Je l'interromps. Il ne va pas parler dans mon direct. OK. Ça, c'est des gens qui viennent pour divertir. Laissons la justice faire son travail. Qui empêcha la justice de faire son travail? Nous sommes là pour analyser. Il y a d'abord quelle justice au Cameroun? Frère, pardon, va là-bas. Tu n'as rien à dire, tu pars dormir. Je te retire la parole. Va dire. Je vais retirer la parole. Bon, s'il y a un autre intervenant, on le prend. Moi, je ne prends pas ce genre d'intervenant. Ce sont des rigolos. Il n'a rien à dire. Ce sont des gens qui viennent pour faire diversion. Et avec moi, on ne fait pas diversion, voilà. Moi, je suis cash direct, tard. Donc, va faire ton cinéma là-bas, laissons la justice. Quelle justice? La justice des innocents, qu'on mette en prison, la justice des seigneurs, qui ne répondent pas de leurs actes. Mais, des fois, les Camerounais m'amusent beaucoup. Hein. Lui qui parle là, vous savez, il y a quelqu'un qui disait que la danse du fou est amusante quand le fou n'est pas de ta famille. Mais quand le fou est de ta famille, sa danse cesse d'être amusante. Donc, s'il y a un autre intervenant, on ne le prend pas celui-là, je le coupe. Ça, ce sont des inconscients qui sont dans l'ambiguïté. Ce sont des mauvais, des méchants, qui sont là pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Voilà. On le coupe, on n'a rien à faire avec lui. Laissez la justice faire son travail. Le jour où cette justice va te frapper, tu vas voir. C'est toujours facile quand ça arrive aux autres. Il vient m'appeler, laissons la justice faire son travail. Il m'a dit, va, toi, nous. Tu étais devant moi, je t'aurais même donné une clap. C'est à cause de vous que le pays est bloqué. Des petits ventriloques, parce que peut-être celui-là connaît quelqu'un. Viens dire, laissez la justice faire son travail. Si ça avait été ta mère ou ton père, là, tu n'allais jamais réagir comme ça. Quand c'est les autres, vous êtes forts. Toi, nous. Dis donc, s'il y a un dernier intervenant, il prend la parole. Moi, je ne donne pas la parole à ce genre de personnes. Je vais rester général. Voilà le Cameroun. La justice fait son travail sur quel dossier, toi qui viens parler là? Sur quel dossier? Voilà le dossier Savannah Énergie. Voilà le dossier le COVID-Gate. La CAN-Gate.
la on appelle ça comment là? La Chambre des comptes a épinglé des gens, ils ont été arrêtés quand? Le président lui a lui-même a dit qu'il va arrêter des gens qui volent. Pourquoi la justice ne s'est pas auto-saisie? Mais c'est la justice faire son travail. Regarde, il y a une manière, toi nous. Je ne vais pas faire votre cinéma là dans mes directs. Moi, je ne vais pas vous laisser. Ils sont là-bas, ils souffrent. Ils meurent de misère. Il n'y a ni eau, ni électricité, ni courant, ni rien. Ils ne parlent pas ni wonwon, des poltrons comme ça. Mais la justice fait son travail. Yenman, il va. Merde. Donc, s'il n'y a plus d'intervenants, nous on arrête, on passe à autre chose. Je vais aller me reposer. OK? Il n'y a plus d'intervenants. Il est presque... Il est minuit passé, je vais m'arrêter là et j'irai me reposer. Merci à vous pour vos nombreuses interventions. Il faut rappeler que Sikati a tout fait dans ce dossier. Tout à fait, il a tout fait, Sikati. Voilà. La justice, il y a quelle justice au Cameroun? Pays dominé par des bandits. Voilà. Le travail a bien été commencé par Sikati. Et Dieu a achevé et il a fait le peu qu'il a pu. Que Dieu vous bénisse, Inch'Allah. Merci.